Varine, merci pour le prime. Alors du coup, on a le choix, je crois, entre trois personnages. Est-ce que nous voulons être Aaron? Est-ce que nous voulons être Noah? Est-ce que nous voulons être Danny Lopez? Ce qui, concrètement, c'est trois mecs mariés. Je prends le plus jeune. Je prends le plus jeune, voilà, ils sont tous à Brighton. Je prends Danny. Danny, moi, j'aime bien, moi. Danny, j'aime bien, vue inversée. Jamais compris les gens qui, de base, avaient la vue inversée, tu vois. Mode de jeu occasionnel. Alors, simulation, c'est une expérience complète avec des systèmes conçus pour les joueurs qui souhaitent vivre une expérience immersive. Occasionnel. Équilibrage ajusté, astuces indiquant ce qu'il se passe autour. On veut les astuces, on connaît pas bien. Et didacticiel, pour l'instant, oui. Parce que j'ai vraiment juste lancé, je suis sorti du commissariat. Alors, du coup, Danny Lopez rentre son mot de passe et se connecte à son ordinateur. Les amis, voici l'aperçu du district sur lequel vous pouvez choisir votre prochaine patrouille. Chaque semaine, vous devez jouer 5 patrouilles. Vous me direz si je dois changer l'endroit de caméra. Vous pouvez prendre 4 jours de repos par semaine. À la cool, les flics. À la cool. Et ainsi recevoir de nouvelles options de patrouille en appuyant sur R. Très bien. Donc du coup, on va avoir des missions. Downton est le district financier, le cœur de la ville de Brighton. Il est composé de différents quartiers. Jefferson, le quartier film. Bon, ça, c'est l'explication de la ville. Voilà, il t'explique un peu. Je confirme. Du coup, nous, on va à Melting Pot. Donc là, en fait, on va avoir différentes missions, 4 jours par semaine de vacances. Oui, ça se régale, hein, si tu veux. Donc en fait, je crois qu'on va devoir faire des différentes missions. Typiquement, et je pense que c'est aussi un peu un tutoriel, tu vois. Donc là, par exemple, ils vont un peu nous expliquer comment ça fonctionne. Gagner des étoiles du devoir pour débloquer de nouveaux quartiers, voitures de patrouille, outils. Donc au début, on va devoir faire une contravention pour stationnement. Voilà, des gens qui se garent mal. Une nouvelle journée au bureau, pensez à consulter les patrouilles disponibles. Donc ça, c'est les différents trucs que tu peux faire pour sortir. Nous, on est au début, on pourrait directement prendre un jour de congé. On va décider de taffer quand même. Ça peut être bien. Ça consiste en quoi exactement ce jeu? Bah, cher agent, la police de Brighton a un message important pour vous. Ce jeu en accès anticipé est encore en développement. Le système fondamental de votre routine de travail quotidienne est en place et il y a déjà de nombreuses tâches et fonctionnalités que vous apprécierez sans doute. Pour vraiment comprendre le travail d'un agent de police, considérez le manuel en jeu, accessible depuis l'ordinateur de police, comme votre guide de référence par excellence. En dehors de cela, nous travaillons sur un système de didacticiel qui abordera de nombreux aspects différents du jeu. Vos devoirs, patrouilles et équipements, néanmoins, sont encore susceptibles de changer et seront enrichis à l'avenir. Bon, c'est une alpha, quoi. Le jeu, ça fait un an qu'il est sorti. Juste là, en fait, ils ont mis le français. Et ça fait longtemps que je le voyais, mais comme c'est en français, du coup, je trouvais ça cool. Je crois que l'audio est encore en anglais, mais on a les sous-titres, etc. Donc, c'est parfait. Nous sommes donc... Putain, c'est moi, ça. Donc là, il est 8h18, comme vous pouvez voir. Ah oui, il faut jouer en QWERTY, c'est bon. Il est donc 8h18, mais le jeu est pas mal foutu, je trouve. Hein. C'est quand même... tu vois, on est un petit Danny Lopez, plutôt bien en jambes, plutôt fit, le mec. Ça prend la pause à la Xav, tu vois, ça se passe. Donc, ça, c'est notre commissariat. Brighton Department. Voilà. On est là. Alors, du coup, donner une contravention pour stationnement. Donc, du coup, on va concrètement... Voilà, donc là on va encore avoir le tuto. Mode zoom, vous pouvez utiliser le zoom sur les différents éléments du jeu, comme les plaques d'immatriculation, les piétons qui semblent recherchés et les piétons qui s'échangent des objets. Donc en fait, vraiment, à des moments, je pense qu'on va devoir chercher des gens, etc. Je me suis arrêté là, moi, juste au niveau du zoom. Le donut pour bien commencer la journée. Alors, je pense pas que ça soit poussé à ce point. Hein. Déjà, honnêtement, j'ai pas vu le... Va savoir, c'est une purge. Hein. je vous le dis, juste le jeu est bien noté. Donc ça, c'est le zoom, si jamais, par exemple, tu veux regarder les plaques. Alors en fait, moi, je m'étais arrêté là. Ah, mais si, d'accord, il y a la date. Ça, par exemple, cette plaque d'immatriculation, elle est bonne jusqu'en janvier 2021. Et c'est une personne à mobilité réduite, si jamais il était assis sur une place handicapée. Oh là là, mais on va pouvoir contrôler tout le monde, ça va être fantastique. Ok. Donc là, on doit donner une contravention pour stationnement. Déjà... Ah putain, ouais, mais là, les premiers... L'esprit d'Amérique. Ah non, mais ça va être le feu. End one way. Ça, c'est bien sûr céder le passage, hein, si jamais. Je vous le dis. Actuellement en train de faire le taf. Donc là, en fait, tu peux interagir. C'est-à-dire que tu peux soit appeler une dépanneuse, soit, justement, tu peux mettre une contravention. Faut que ça soit obligatoire. Enfin, obligatoire, ça ne voulait rien dire. Il faut que ça soit nécessaire. C'est-à-dire, typiquement, si je lui mets une contravention pour bouche d'incendie, je pense que je perds des points. On peut aussi interagir avec des gens. Vous allez voir, le jeu est assez poussé. Hein. En gros, par exemple, je peux, par exemple, demander la pièce d'identité à quelqu'un, le mettre en garde à vue, juste le laisser se barrer. Je peux constater une infraction, je peux le menoter, je peux le fouiller. Le truc, c'est que il doit y avoir, ça doit être justifié. Je pense que si jamais je le... Tu vois, en plus, il a l'air d'avoir des contacts, lui. Si jamais, par exemple, genre, je le fouille... Si je le fouille, il se passe quoi, là? Je le palpe? La palpation est justifiée lorsque la personne présente des signes comportementaux comme des tremblements, de la nervosité ou un comportement inhabituel. Mec, ça va être le meilleur jeu, en fait. Le fait de trouver des armes illégales ou des drogues constitue un délit et justifie l'arrestation. Fouiller. La fouille est plus invasive qu'une simple palpation et nécessite une cause globale. Bah, au pire, je dirais qu'il a tremblé. Hein. Allez, t'as tremblé, mon pote.
Allez, hop, la petite fouille. Y a rien. Montre à Gousset. Ah, il se met yambe, lui. Il a deux montres à Gousset. Bon, je te laisse partir. C'est un mec qui pèse. C'est un trader. On le laisse partir. J'ai perdu 5 points. J'en ai que 100. Ok. Garde... Ok. J'avais pas fait encore tout. J'ai juste regardé les voitures quand j'avais lancé le jeu avant, mais... Ça, c'est première rencontre avec l'inspecteur Bizot, il te palpe. Direct. Direct, on est là. Mais je pense qu'il faut faire gaffe quand même, hein, parce que si tu fais trop nimble, je pense que t'es baisé, quoi. On va perdre des points et... Alors, les points de patrouille PP, donc, sont des récompenses. Les points de conduite PC sont des pénalités. Par exemple, demander la pièce d'identité sans la moindre raison fera perdre des PC. Les PP et les PC, ok, ça te fait gagner des points d'XP, etc. Ce qui te permet de débloquer des trucs et monter. Cette femme vient d'abandonner des déchets. Elle est où? Je crois que ça te met une flèche sur sa gueule. Elle est où? Putain, elle est où? Il y a une femme qui vient d'abandonner des déchets, là. Mais on le sait où c'est? Vous avez vu quelqu'un avec... Putain, on l'a déjà perdu. On l'a perdu. Elle était sur le banc? Mais non, normalement, il y a une grande flèche sur sa gueule. Mais non, là, il n'y a personne. C'est toi, là? Non, non, c'était pas elle. C'est un homme, hein, ça, au passage. Ah non, elle a filé, elle a filé. On commence doucement. On commence doucement. Elle a le droit, voilà, elle a filé. Je suis aussi un flic cool. Hein. Attendez, là, ça cherche la bavure, là. Il nous faut, donc, du coup... Là, il y a des panneaux. Donc là, ils n'ont pas le droit, par exemple, de se garer... entre minuit et 4 heures. Donc ça, c'est parce que, justement, ils clean les rues le mercredi. Nous, on est le lundi, donc là, ils ont le droit de se garer. Par contre, je crois que... Attends. Est-ce que tu peux voir... Ouais, donc tu peux voir... Tu peux lui mettre une contravention, donc, pour temps de stationnement échu, si jamais ils n'ont pas le petit papier, près d'une bouche d'incendie, si jamais, genre, ils montent sur le trottoir, je crois, ou qu'ils sont à sens inverse. Non, c'est midi. Ah, c'est midi, noon, merde, ok. Là, par exemple, est-ce que lui, il est bon? Octobre 21. Ok. On est en mai 2020. C'est bon, ça? Ah, mais là, on aimerait bien quelqu'un qui fait un truc mal, là. Personne s'est foutu sur le trottoir, là? Lui, là, c'est moyen, ça. C'est moyen comment il s'est garé, quand même, non? Non, ça passe. Et, ah, mais c'est là, en fait, que tu le vois. Valide. Ah, c'est comme ça, l'américaine, les trucs de stationnement. Ah, ok, donc faut vérifier ici aussi. Ok, parfait. Ok, là, on a toutes les infos. Bon, là, on regarde les papiers. Là, je peux pas voir les papiers, hein. Après, c'est peut-être dans les menus et tout. Lui, il est pas garé sur une place, lui, hein. Ah, t'es baisé, mon pote, toi. Ah, c'est un taxi. C'est pas un taxi! Il est mort. Il est dans une zone taxi, c'est pas un taxi. J'appelle une dépanneuse, non. Stationnement. Zone d'interdiction de stationnement. Ah bah, il a mis taxi, c'est pas un taxi, il prend sa part. Allez, hop. Moins 5. Bien préciser que c'est une zone de taxi. No parking, taxi stand. C'est pas un taxi, hein. Enfin... Il a la bonne... Ah, c'est 2020. Bah... Ça semblait bien, ce que j'ai fait, pourtant. Lui, il a une belle caisse. Est-ce que c'est valide? Putain, c'est valide. Putain, peut-être qu'il a pas voulu l'assurer ou un truc comme ça. Octobre 2021. Cet homme vient d'abandonner ses déchets. Là-bas! Oh putain, j'y vais. Oh, j'y vais! Oh, mon pote, toi, t'es mort. Toi, mon petit frérot, t'es mort, là. Qu'est-ce que tu viens de lâcher? On le voit, ce qu'il a lâché ou pas? Oh, il a lâché ça. Un petit papier. Alors, lui, on l'arrête direct. Parlez. Ok. Je lui dis quoi? Je le mets en garde à vue. Non, garde à vue, c'est peut-être beaucoup. Enfin, abandon de détritus. Ok, donc, si jamais, pièce d'identité et tout. Est-ce que je le contraventionne? Bah, je peux lui demander ses papiers, déjà. Va savoir, il y a un souci dans les papiers. De façon légitime, nécessite un soupçon raisonnable qu'une infraction ait été commise. Ah bah oui, il a laissé ses... il a laissé traîner un truc. Il ressemble étrangement à celui d'avant, hein. Sa carte d'identité a expiré, putain, mais il est mort, lui. La pièce d'identité de ce civil est périmée. Vous pouvez dresser une contravention ou le laisser partir avec un avertissement. Ah bah frère, entre ça, plus le détritus, t'es mort, mon pote. Toi, c'était quand? C'était en mars 2020. Aïe, aïe, aïe. Et il avait pas le droit de... pas de porme d'art. Oh, bah t'es foutu, toi. Toi, mon pote, là, c'est... Tiens, je te la rends. Pff, c'est la garde à vue. Mettre en garde à vue. Mettre un piéton en garde à vue et empêcher de le partir. Pour mettre un piéton en garde à vue, il vous faut un soupçon raisonnable. Ah, va savoir, c'est une fausse, hein, qu'il a. Enfin, non, ça a expiré, mais non, c'est peut-être beaucoup, la garde à vue. Non, on va lui mettre une petite infraction. Je lui dis, je lui mets un avertissement verbal pour le... Je lui mets un avertissement verbal pour le détritus. Et à côté... Là, il pense s'en sortir, il semble vraiment heureux, et bam! C'est 100 balles. 75 à 150 balles.
Allez, hop, ça rack. Ah, c'est énorme. Ah, oui, mon pote. Ils sont vraiment en colère. On doit aller jusqu'aux menottes ou pas? Pas d'agressivité, c'est bon. Voilà, et tu pars. Plus 25, j'ai pris 25 SP. Départ de la sage, j'avais compris ça, dépassement de la... Parfait. Et on a pris plus 25. Toi, t'es louche, toi. Non, tout va bien. On va pas faire... C'est invalide. C'est invalide. Il est expiré. Expiré, je vérifie aussi. Ok, c'est bon. Cet homme vient d'abandonner ses déchets. Une autre personne. Ouvrez votre ordinateur de police à l'aide du menu radial des outils. Il contient plusieurs onglets. Il a pas payé. Non, mais c'est pas à moi qui paye. Je pense que c'est... Il contient plusieurs onglets. Attends, c'est où, ça? C'est une table? Oh. Équiper le pistolet paralysant. Oh non, oh, c'est pas bien. On va faire... Attends, il y avait le mec, il y avait la flèche. Ah, donc ça, c'est les... Ok, donc ça, c'est tout le tuto. Ah, et donc ça, en fait, ça te met toutes les personnes. Date de validité dépassée. Donc là, par exemple, c'est la plaque d'immatriculation. Donc là, la voiture, là, qui, justement, c'est fini, là, son péage. C'est terminé. Bah, et déclaré coupable de fraude à l'assurance. Là, son statut c'est valide. Juste, il n'a pas de permis de port d'armes. Crève les pneus. Bon, les amis, je vous demandais de vous contrôler quand même. Mandat d'arrêt, oui. J'ai croisé une meuf qui avait un mandat d'arrêt. Et je l'ai laissé passer. Oh là là, mais c'est la folie. Tu peux voir ensuite. Mais ils font des dingues, les gens. Ah non, en fait, c'est que c'était sa caisse. C'était sa caisse, on a juste vu la caisse en fait. On a zoomé sur la plaque d'immatriculation, mais faut l'attendre, faut lui tenir un... On va lui tendre un piège. Donc quoi qu'il arrive, lui en tout cas, il va prendre sa part, lui. Lui, toi mon pote, c'est quand qu'on appelle une dépanneuse? Vous pouvez appeler une dépanneuse quand de la fumée s'échappe d'une voiture ou qu'elle ne fonctionne plus, ok. Ah bah là, lui il a quoi? Temps de stationnement échu, hein. Dommage mon pote. Dommage. Hop. Et j'ai eu plus 10. J'ai été un bon policier, mais il y avait Oh, il y avait un mec avec les détritus, mais il est parti. Bon, nous, pour l'instant, on chasse les voitures mal garées. C'est notre... C'est un début. Là, c'est valide. Là, c'est valide. Là, il y a un mec qui a sens interdit, non? Stationnement à contresens. Le stationnement de cette voiture est non autorisé car elle est dans le mauvais sens. Eh ben, c'est pour moi, mon pote. Bon, là, ça nous fait un peu le tuto en même temps, il t'explique les différentes fonctionnalités. Position alignement, stationnement à contresens. Oh là, mon pote, là, on se fait une belle journée, là. Là, il y a du quota, là. T'es dans le bon quartier. C'est-à-dire. Ah, mais putain, t'es bon, toi. Ah ouais, je suis hors de ma limite, là. Ok, je retourne... Ah ouais, putain. Ah, je retourne dans... Ok, je retourne dans mon TX. Excusez-moi, là, j'ai un peu dépassé mes fonctions. Vite pété, là. On a une vite pété là. On a quoi? Juillet 2021. On peut pas fouiller la caisse? Non, ça me semblerait un peu abusif peut-être. Il est pas mal garé, bah je dois dire un truc pour vite péter quand même. Je dis quoi pour vite péter? Je dis rien pour vite péter, on le laisse. On le laisse avoir sa vite pété lui. Bon, après on va être cool à des moments aussi hein. Ah ouais là j'ai pas le droit d'aller là-bas là. Là je suis interdit de parc pour l'instant. Putain, on est un. C'est quoi, c'est ASVP? Dépanneuse. Bah, peut-être pas dépanneuse pour vite péter quand même. Vous pensez dépanneuse, vous? Oh, y a juste... Enfin, c'est vrai que c'est le pare-brise quand même. Attendez, il y a plus important là. Là-bas! Là-bas, elle vient d'abandonner ses déchets. Oh putain, c'est vraiment le ASVP là. C'est ASVP, AVS. Carglass. Summer, merci. Hop, 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 madame. Bonjour. Abandon de détritus. C'est 25 balles. C'est 25 balles, t'as été vu. Y'a pas de flic gentil ici. Tazla, les amis. Au milieu de la route. Y'a pas de moment. Elle semble vraiment en colère. Attention, madame. Je vous laisse partir, mais... Ciao. Hop là. Et je reprends 10. Putain, je suis le flic le plus respecté. On peut monter, genre, dans genre... Ah, non, on peut pas. Au milieu de la route, c'est smart. On sait jamais. Non, mais je vais être une petite merde, hein. Je préfère vous prévenir que vous soyez pas surpris, quoi. Parce que là... Là, il n'y a pas beaucoup de voitures mal garées. Hein. On est un peu déçus, nous. Hein. Moi, je pense qu'il faut que je sois en voiture. Il faut que je contrôle, là. Je pense qu'il faut que je contrôle. Oh, c'est invalide, mon pote.
Toi c'est foutu, hein. Que des mecs qui ont des SUV, hein. Ils en ont rien à foutre, hein. Allez, hop là. Temps de stationnement. Putain, je suis une pervenche, quoi. Tout bon flic qui se respecte se doit de passer les menottes. Boum, j'ai gagné plus 10 encore. J'ai 65 SP, je sais pas à quoi ça correspond, mais en tout cas, j'accumule. Là, c'est valide. Cette femme vient d'abandonner ses déchets. Mais putain, mais ils font que ça ou quoi? Oh bah là, mais madame, vous faites n'importe quoi. Y'a pas un souci, là? Non? Ouais, oh, elle m'overpass en plus, elle m'overpass, c'est direct 25 balles. Non, c'est... je veux pas... Y'a pas de couleur de peau, c'est tout le monde, c'est 25 balles, 25 balles, mon pote, là, hein. Pourquoi c'est si cher? On commence pas. Outrage à agent. Elle semble... Oh, elle semble vraiment triste. Et là, je lui fais juste un avertissement verbal en plus. Non. Non, c'est trop. Non, je le laisse partir. Bon. Demande ses papiers. Non, elle semble triste. C'est une étudiante fauchée. Oh là 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 là! Qu'est-ce qu'on voit là? Un petit pneu. Infraction au stationnement. Prends le 06. L'été vous fait du mal. Alors, position alignement sur le trottoir. Mais est-ce qu'on voit à la fin de la journée Oh là là. Et on... Attends, on la voit. Ah si, on le voit là en plus, ma contravention. Putain, le bonheur. 85. Ah mais je crois que je dois arriver à 100 en fait. Je crois que c'est ça. Burger Even. Mais le jeu est pas mal foutu, hein, quand même. Hein. No gender, gender, cet homme, cette femme vient de traverser illégalement. Oula. Là, sans que le jeu s'adapte. Qui Excusez-moi, à qui? Parce que... Excusez-moi, je ne suis pas sûr d'avoir bien compris l'information. Qui, du coup, a... Mais c'est pas l'étudiante, quand même. Ah non, mais là, il y a eu trop de... C'est toi? Elle a mal traversé? Bah putain, faut le voir, hein. La personne qui a mal traversé, j'ai pas vu, moi. Le jeu est inclusif. Non, non, mais ça, c'est bien. C'est juste que la traduction, du coup, a merdé, donc ils te le font en 6 fois. Oh, bah... Hop, 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 hop! Oh là là! Hé, hop, hop, hop! Hé, arrête-toi, là. Je peux rien faire, là? Oh, bah attends, là, il y a accident, là. Hé, arrête-toi, là. Descends. Mais comment je fais? Attendez, monsieur, monsieur! Mais comment je... Putain, je... monsieur, s'il vous plaît. Monsieur, attendez. Je... Crève le pneu. Ah oh bah là, putain, on n'est pas respecté. Hein. Vous avez vu, madame, hein. Vous êtes témoin. Vous êtes témoin de ce qui s'est passé. Hein. Il y a les flics qui arrivent, non? Oh, je m'en vais. Oh, il y a les flics qui arrivent, je m'en vais. Je m'en vais. On s'en va. Ah putain, on n'a pas de contrôle sur les voitures qui roulent, par contre. Plaque d'immatriculation périmée. Ah bah là, on a un autre exemple. Mais là, de toute façon, c'est le tuto, mais... Moi, je trouvais que j'ai dégainé assez vite, quoi. Je représente la loi. Non, mais on peut pas... Il y avait accident, non? C'est toi, la police. Oui, mais... qu'est-ce qui se passe, là? C'est plaque d'immatriculation périmée. T'es flic, toi aussi. Oui, mais... oui, c'est vrai. Ouais, mais c'était peut-être pas... tu vois, ça semblait pas non plus ouf, quoi. Sortir l'arme pour tirer dans le pneu, je sais pas si c'est idéal. Bah lui, il est hyper mal garé. Qu'est-ce qu'il nous fait, le con, là? Ah bah là, je suis à deux doigts d'appeler une... Ah bah là, zone stationnement spéciale. Bah là, on est juste... Bah non, mais là, il empiète sur la route, là. Qu'est-ce qu'on lui met, lui? C'est dépanneuse, là. Ah bah direct, et j'ai eu plus 10 pour ça. Bien joué. On a été bon là. Ah bah ouais, lui. L'endroit n'est pas très accessible, on ne va pas pouvoir venir immédiatement, mais on s'en chargera sous 24 heures. Ça prend 4 jours de repos par semaine, hein, ça se sent. Hein. Au parking, on est à deux pas du commissariat, quoi. Ah, ça boit des coups. Je peux aller dans le métro? Non. Ah non. Putain, j'ai eu un espoir. Cet homme vient d'abandonner ses déchets. Putain, mais je suis, c'est pas possible. C'est où? Elle est où la flèche rouge, là? Il est là-bas. Ah, ça part en intervention. 24 heures. À 24 heures, ça chill. Hein. Salut, les gars. Monsieur! Hop là. Pris en flag. Contravention. Tase-le. Non, mais on va pas taser tout le monde. Je viens de tirer sur des pneus. C'est pas l'idée. Hein. Ah oui, allez. Allez, bouge. Ah non, mais... Piéton, plus 10. Mais j'ai l'impression d'avoir bien... J'ai pas d'autres missions, là? Oh, mais ça, c'est encore un pare-brise. C'est vrai que c'est moyen, quand même. Hein. Je pense qu'on doit rien dire. Enfin, je sais pas. Lui, il est bien garé. Ah, là, j'ai l'impression que j'ai bien... regarde les identifier. C'est vrai que je pourrais check, savoir s'il y a pas des mecs louches.
Permis de port, statut d'enregistrement invalide. Ah mais lui, je peux l'arrêter pour sa caisse. Mais du coup, date de validité dépassée. Amelia Clark. Putain, mais faut que je leur demande parfois leur... Ouais, mais on n'a pas envie de faire n'importe non plus. Hein. Là, on peut pas aller... Ah bah... Qui est cette personne? Je sais pas ce que t'as fait, mais t'as fait une connerie, ma petite pote. Hop là. C'est peut-être un détritus abandonné. Je lui mets un avertissement. Je lui mets un avertissement. Allez, je suis gentil. Je la laisse partir. Fouille les gens en infraction. Enfin, bah, tu laisses une peau de banane, tu lâches 25 balles, plus t'es fouillé. Alors, un petit averto. On se montre cool. Là, ça m'a ouvert une zone? Ou c'est moi? Ah non, c'est juste que... Mais du coup, on en est où, là, nous? Bah nous, on a pas mal fait le tour de... Ah, il y a de l'autre côté, encore. Mais là, c'est jusqu'où? Parce que c'est bon, là. Hein. Là, tout le monde a... Oh, place en... Oh, je peux pas sauter. Oh, putain, je peux pas sauter. Les courses-poursuites vont être compliquées. Hein. Ça va, madame? Tout se passe bien, ici? Ah bah, lui, je sais pas... Il y a deux personnes sur... Non. Sur des places handicapées. Il y a quatre personnes sur des places handicapées. Oh là là, là. Comment je vérifie si... Normalement, il y a une carte handicapée, non? Comment je fais? Normalement, t'as une carte handicapée. Là, je vois rien du tout. Vérifier les plaques. 2021. Sur la plaque, il y a un truc... personne à mobilité réduite. Ok, il y a marqué. Personne à mobilité réduite, ok. Ah, c'est bon. Ils sont tous bien handicapés. Non, non, ils ont le droit. Ok, c'est bon, alors. Il est garé comme une merde, lui. Hein. Je suis à deux doigts, là. Il a voulu faire le cake, là. Ah, je suis à deux doigts, putain. Bon, on n'y va pas, on n'y va pas. Bon, qu'est-ce qu'on a par là, là? Bonjour. Bonjour, monsieur. Ça, c'est des taxis, ils ont le droit. Oh là là, et là, ça monte sur le trottoir. Mais ça, c'est pas possible, ça, mon pote. Hein. Bon, va pas falloir que je sois pervenche non plus pendant 5 heures, hein, parce que... Moi, je veux progresser, là. Hein. Demande les papiers quand t'arrêtes. C'est vrai qu'on pourrait... Plus 10, ah bah là on est millionnaire en point, hein. On a jamais vu ça là. Voilà. Non, je vais aller de l'autre côté du commissariat. Mais du coup, attendez. Progression de carrière. Parce que... Ouais, ils te disent pas... Ah, on sait plus là. Regarde les plaques à chaque PV sur l'ordi. Ouais, mais nous, on est des flics à la cool, tu vois. On va pas se le faire à chaque fois non plus, quoi. Tu vois, on se le fait, et puis on... Tu vois, on est là aussi pour faire vivre un peu les gens, hein. Si y en a qui passent... La cam gêne les infos du véhicule. Je pense que la cam va forcément gêner des trucs. Je vous tente ici, si vous voulez. Si ça peut être mieux, mais... Faut que t'ailles à North Point, non? Dans North Point. Mais j'y suis, dans North Point. Your shift is over, officer. Ah, c'est bon! My shift is over. Bah, je dois faire quoi, du coup? Qu'est-ce que... Je rentre à la maison? Bonjour. Cet homme vient d'abandonner ses déchets. Ah, je peux terminer la patrouille, si jamais. C'est la rue North Point. Non, non, mais ça avait l'air d'être bien, là. Hein. Non, non, en vrai, j'étais bien. Hein. Là, je pouvais finir ma journée, déjà. Si je le vois... Oh, bah, je le vois. C'est quoi, c'est un camé? C'est quoi? Non, il est à l'aise, lui. Hein. Ah, lui, il est un peu trop. Hein. Oh là, Ricardo, là. Petit col levé, là. Allez, les AirPods, c'est 25 balles. T'aurais pas d'AirPods. Ah, tu prends tout, toi. Toi, tu prends en pièce d'identité, tu prends tout, là. Ah, ça part. Oh là là, toi, c'est fouille au corps, toi. Il joue au con. Ah là là là. Qu'est-ce qu'on a sur lui, là? Il a pas le droit de port. Ah, il donne son sang, c'est pas mal. C'est expiré. C'est pas expiré. Putain, on a rien à lui, hein. On a rien à permis de conduire, date d'émission, non, ça m'a l'air clean. Hein. J'ai rien à... Petite fouille quand même. Ah, fouille, après il m'a parlé d'avocat, on va peut-être être dans la merde. Petite fouille. Petite palpation. J'ai l'impression qu'il tremblait. Couteau à cran d'arrêt, t'es mort mon frère. Tu es mort. Je fais une fouille plus poussée. Je fouille. La fouille est plus invasive qu'une... On sait pas ce qu'il a. Il a un couteau à cran d'arrêt. Ah non, mais ça c'est... C'est un homme de main. Il a une dent humaine. Il a deux couteaux. Une facture de blanchisserie locale. Il a tué. Il a une dent humaine. Je l'arrête. Je le menote.
Vérification, narcotique, port d'armes illégales. Vérification des antécédents. Mais comment je neutralise? Comment je fais? Je le mets en garde à vue. Empêchez-le de partir pour mettre un piéton, il vous faut un soupçon. Ah bah le soupçon est là. Abandon. Non, correspond, traversée illégale. Frère, c'est un tueur. Je le menote. On verra pourquoi. Port d'armes illégales. Port d'armes illégales. Couteau. Bah voilà, port du couteau. Ah, c'est fini mon pote, on verra ton avocat ce qu'il dit. Hein. Allez, on fait moi le malin là. Putain, tout ça parce que t'as fait le mec. Hein. Comment ça, moins 20? Demande répétée, non justifiée de pièce d'identité. Palpation non justifiée, fouille de percée non justifiée, menottes non justifiée. Il a une dent sur lui? Mais comment... Genre quelqu'un vient le chercher là? Ah non, c'est... Voilà, faut appeler le transport d'arrestation. Ah mais il y en a en fait, tu dois les menoter parce que peut-être ils t'attaquent. Ah, j'allais le laisser sinon. Je le pose là. Assieds-toi. Il nous envoie le transport le plus proche. Bah après on n'était pas si loin du commissariat, hein. C'est quand même à 15 mètres quoi, mais bon. Ok, on le surveille, j'hésite pas. Je le tiens en joue pendant ce temps. On attend les renforts. Je m'éloigne un peu pour voir s'il court. Piéton. Demande de transport d'arrestation non justifiée. Il a une dent humaine! Je vais le taser. Ah c'est bon, c'est la team. C'est bon, il y a ma team là. Voilà les renforts. Je suis ici pour placer le suspect en garde à vue. Veuillez ne pas me résister. Ne pas résister, résiste pas. Si je suis obligé. Oh je surveille. Elle est solo elle pour transporter, putain. Oh mais il monte. Eh mais c'est bien foutu le jeu, hein. Eh ouais. Eh c'est notre première arrestation. Eh on a eu du nerf, hein. Oh du nerf, pff, c'est pas du tout du nerf. On a eu du pif plutôt. Mais il l'emmène où là? Je suis à côté, je suis en renfort. Si jamais ça tourne mal, je suis là. Ok, il est parti. C'est bon, on a bien géré le coup là. Je range le taser. Non, là, je pense qu'on a été clean, on a fait une bonne journée, quand même. Mais du coup, ils me l'ont pas compté bien. Arrestation non légale, pour le coup. Qu'est-ce qu'on fait quand... C'est une bavure. T'as peut-être pas eu tant de nez que ça. Mais bon, quitter le bureau. Ah, oh, moi, je pense qu'on avait... Ton objectif est en haut à gauche. Oui, mais c'était d'être pervenche. On a été pervenche. Rapport de patrouille. Alors, -5, -5. Ah, +25. Sanction, point de conduite retiré. -35%. Pas de compensation de partenaire. Putain, j'avais l'étoile sinon. Oh là. Peut-être juste garde à vue, pas menottes. Imo, il avait le port d'armes, donc c'était cool. Ah, non, il avait pas de port d'armes, hein, je crois. Ah putain, on a peut-être pas bien vérifié, quoi. Bon, ok. Demande de transport non justifiée. Ouais, mais bon, il a tué des gens, je pense. Hein. Ok, je pars. Une nouvelle journée au bureau, pensez à consulter les patrouilles disponibles. Il faut 30 étoiles pour aller là-bas? Et là, j'ai pas eu une étoile? Et il m'en faut 30? Patrouille en voiture, patrouille libre? Il me faut 30 étoiles pour être en voiture? Putain, je suis condamné à faire des caisses sur le trottoir, là? Beaufort, outil, pistolet radar. Oh, mais quand je vais avoir le pistolet radar et qu'on va voir les appels de phare, je vais mettre le gyro et tout? Attends, t'en gagnes 10 d'un coup, bien vu. Ah, faut farm les gars. Ok, on va farm, on farm. Faut être irréprochable. On a fait trop de bavures. Mixolis, merci pour le sub. Ah, c'est 10 d'un coup. On y va direct, en petit footing là. En petit footing, on est parti. On repère de loin, on n'hésite pas. Hein. Si ça jette du déchet, je peux te dire que je suis le premier informé. Là-bas? Non, c'est bon. Ok. Putain, le pistolet radar. Oh, fais ta quête. Donner une contravention pour stationnement dans North Point. Mais North Point, c'est tout le quartier, là. Là, on est comment, là? Hop, petit check de plaque. 2021, avril, on est bon. Mais là, il n'y a pas le truc de... Ah non, c'est qu'en fait, ils ont le droit de se garer ici sans avoir besoin de payer. Je pense que c'est ça. No parking le Wednesday, mais ça sera demain. Là, c'est valide. Allez, donnez-nous, là. On veut le pistolet radar, bordel, nous. Donnez-nous le pistolet radar. Hop, il est mort, lui. Allez, hop. Lui, temps de stationnement. Ça prend. Ça prend direct.
Allez, boum, on commence bien, là. Plus 10, direct. Lui, il a le droit. Petit check. Octobre 2021, on est bon. On reste souple sur le jeu de jambes. Hein. Qui traverse illégalement? Oh, il y a de la fumée. Ah non, c'est pas de la fumée, c'est... J'ai cru que... Mais qui a traversé illégalement? Putain, ils nous mettent pas de... Ils nous mettent rien en plus. Ah, c'est fourbe. Non, c'est fourbe parce qu'ils te disent et ensuite, tu vois pas. Moi, je veux pas faire de pénalité. Mais en vrai, faut pas faire nimp, hein, les gars. Parce que sinon, on progressera jamais, quoi. C'est lui? Toi, poteau. Non, mais moi, je fais ce que je veux, regardez. Hop là. Hop là. Petit genou en moins. Hop. Petit... Hop, ça repasse. Boum, le deuxième. On fait les deux, on est symétrique comme ça. Ok. Ça, c'est bon. Il n'y a pas du pare-brise, là, 2021. 2021, putain, vous nous emmerdez, hein. Bon, stationnez-vous sur les trottoirs, bordel. Garé sur la route. Non, ils ont le droit, ça, ils ont le droit, là. Qu'est-ce qu'il fait, lui? Ok, c'est bon. Oh, bah alors, toi, mon pote, t'as pas de... Mais toi, tu prends tout, toi. Je peux lui mettre deux, je peux lui mettre deux trucs ou pas? Deux amendes? Je lui mets deux amendes. Je vais gagner plus de points. Déjà, temps de stationnement, c'est mort. Et en plus, il est sur le trottoir. Je veux pas faire nimpe, j'ai juste arrêté un mec pour une dent. Dis-moi qui se balade avec une dent humaine quand je lui mets deux amendes. Il prend tout, lui. Ah, lui, lui est pas déçu d'être, de s'être arrêté deux minutes. Hein. Ah, il est tombé sur le pire flic Brighton. Lui, il nous a fait nos points, lui. Hein. À contresens. Non, non, il est dans le bon sens. Bon sens de circulation. Attention aux mauvaises infos. Hein. Attention à ça. Boum. Putain, il est mal garé, l'autre, là. Il a le droit de se garer, là, lui? Là, je comprends pas. Taxi stand. C'est pas un taxi, là, tu vois. C'est pas un taxi et... Tozone. C'est pas un taxi, ça. Ce n'est pas un taxi. J'ai envie de... Je l'allume, lui. Mais comment je l'allume? Je peux mettre quoi, là? Trop près du passage piéton. Zone d'interdiction de stationnement. Je pense qu'il est... C'est interdit de stationner, là, lui. Garé devant une bouche incendie. Bah, c'est pas ça, non? Tô, tu le dégages. Dépanneuse, Tô, zone. Comment ça? Oh, bah, merde. Can you send a wreck ah bah ouais. Atozone. Zone spéciale. Non mais c'est bon. Dépanneuse, ça va, ça va, ça va aussi. Nos déchets. Il est où? Là-bas. Oh putain, toi mon pote. Ça prend le raccourci. Au passage, on profite pour gagner un peu de temps, pour vérifier. Là, c'est valide, c'est valide. Hop. Hop, il pense que je l'ai oublié, et bam. Direct comme ça, sur l'épaule, abandon de détritus, c'est 20 balles. Allez. Allez, ça paye. Allez, mon pote, nous, on a le pistolet radar qui... Ouais, tête. Il semble vraiment triste. Ah, mais j'ai déjà eu des soucis pour des fouilles. Non, mais je dois pas demander la pièce d'identité. Parce que le jeu, il sait. Non, non, c'est pas gardave, il semble triste, les gars, les gars. Les gars. Quand même, soyons humains. J'ai pris plus 10 à nouveau, là. On est très bien. Tu vois, on voit pas les collègues passer. Il était pas recherché. Comment on sait les rechercher? Moi, je vois pas. On va de l'autre côté. Là, il n'y a pas de place handicapée. Il n'y a rien de tout ça. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On connaît pas trop encore. Oh là là, j'ai hâte d'une course-poursuite, putain. Et mollo, là, sur la vitesse. Hein. Bon, qui jette des papiers, là? Ouais, ça faillait être juste, ça, ce feu rouge, madame, hein. Ah bah là, ça mange carrément le stop, là. Ah bah là, y a un vrai souci de conduite, là. Je l'ai pas encore, le permis, mais... Hein, c'est expiré, ça, hein. Mais est-ce que les taxis... No parking. Bon bah alors là, toi, c'est expiré, toi, mon pote. Toi, tu... Toi, boum. Temps de stationnement échu, c'est pas une zone de taxi. Tu prends tout. Allez, hop là. C'est 10 puntos de plus. On engrange, no parking, mais t'es bon, le... Oh merde, c'est mai 2000. Là-bas. Oh, elle est loin, putain. Tout ça pour lui mettre 20 balles. Oh la vache, putain. Oh la journée, on se rend pas compte, hein. Nous, on voit les pervenches. Je peux pas la récupérer, la bouteille? Oh merde, j'ai... C'est qui, c'était elle, là? Je m'en souviens, c'était elle. C'était vous, madame? C'était vous?
C'était vous, c'est 25 balles. C'est 100 mètres simulateur. Ah mais là on est obligé de farm les gars. Le radar à déchets. Eh ouais, bah ouais, la bouteille, hein. Voilà, recyclage, tout ça, tout ça. C'est 10 puntos de plus. Eh ouais, on pourrait penser qu'on commence à se faire chier, non? 10 puntos, les gars. Là, là, j'ai l'impression qu'il y a quand même un... Eh. C'est fou, ça. Il me percute, putain, j'ai pas accès à cette zone encore. Là-bas, là-bas, là-bas. Non mais là on est quasiment bon, hein. Il faut juste... On se fait quoi? On se fait encore 4 voitures. Ça vous va 4 voitures? Attendez, je check juste vite fait. Le con il prend tout, il prend la double peine. Double peine. Double peine, temps de stationnement, il est sur le trottoir. Ah lui c'est le tarif lui. C'est parti, Anto merci pour le prime. Faut que tu regardes l'ordi à chaque fois pour être sûr qu'il soit pas recherché, etc. Ouah mais on en laisse vivre. On en laisse vivre quelques-uns, là on est en farm, on veut le pistolet radar nous. Contresens cette fois-ci. Et contresens! Triple peine, magnifique. Oh là là, tu reviens, t'as 3 P... T'as 3 PV, c'est magnifique. Et contresens, bien sûr. Triple peine. À deux doigts de lui appeler le... La dépanneuse, hein. Justement, pour mettre plus de points. Non, non, mais c'est vrai, t'as raison, mais... Je peux plus faire table, là. J'ai plus accès à mon table. Je sais pas pourquoi, mais j'ai plus accès à l'ordinateur. C'est étonnant. Tu vois, lui, il a le droit de se garer ici, là. Parking. Oh, putain, bien vu, bien vu, bien vu. Rien à dire. Rien à dire, c'est clean. Là, je vois une voiture là-bas qui est sur le trottoir. Non, mais on s'en fait 2-3, les gars. Juste 2-3, histoire de s'assurer le maximum de puntos. En vrai, on pourrait même s'en faire 4-5, hein. Regarde son dossier. Non, mais j'ai plus accès à table, tout d'un coup. Sur cette journée, place handicapée. Ouais, mais ouf, attention. Hep, hep, hep. Oh, ça vient vite, hein. Possible ça. Ah lui il prend qu'une simple peine. Il prend qu'une simple peine. Tac. Ouh, j'ai failli faire une erreur là. J'ai failli faire une erreur. 6-7. Faut scan entièrement pour accéder au PC. Faut scan entièrement. C'est-à-dire. Non non mais là c'est au-delà de ça, j'ai pas accès à table. J'ai pas accès au menu quoi. Je pense que c'est un. Je pense que c'est un bug. C'est dans le bon quartier. Bah ouais je crois. Putain, on n'a pas vu de voiture pas valide. Hein. Enfin, quasiment peu de plaques. Putain, ils veulent pas nous régaler. Hein. Ils veulent pas nous le donner, cette plaque. Abandon de déchets, notre spécialité. Là. Je le coffre, je le coffre. Allez, hop, c'est bon. Clac. Et là, ensuite, on va être... on va avoir le niveau, là. Sa patrouille sec. Non, mais après, on va avoir un collègue. Genre, on va être dans une voiture. Non mais il nous faut les 30 étoiles. Là, on était quasiment à 10 étoiles. On se considère à 8 étoiles. Et on... Ils sont vraiment en colère. Bah, attention mon pote, hein. Ça va vite. Hein. Attention quand même. Hein. Parce que ils sont vraiment en colère, je veux bien mais... C'est vrai que je lui ai pas dit au revoir. Oh il est mal garé lui. T'es mal garé toi. Ah hyper mal garé ça. Il est à 1 mètre. Il est sur la chaussée. Ah oh bah t'es mort. Ah oh bah là, excuse-moi, mais empiète trop sur la route. Vas-y, on va à combien là? On va... On se fait 250 points, ok? Non, parce que c'est 150. Putain, il nous faut 320. Il nous faut 320 et on passe direct à 30 étoiles. Les gars, il nous faut 320 au total. On aura direct tout et ensuite on sera bon. Ah mais va savoir, il n'y a plus assez. Parce qu'en fait, là, on a fait le tour de tout, là. Mon gars, il a plus de stamina, là. Ah, j'ai 45 de bonus à gauche. Bien vu. Ah, il a le droit de se garer, là? No parking first day. On a de la chance qu'on soit Tuesday, nous. Il est tout juste midi. Non mais first day c'est jeudi. Ça va les gars? Ça se passe comment le TOEIC et tout? Alors on commence la semaine avec Monday. Ensuite c'est Tuesday. Après il y a une difficulté, mercredi c'est pas simple à dire. Le mercredi faut un peu d'expérience.
Je vous le conseille pas tout de suite. On verra demain dans le jeu. Bon bah en vrai on a tout fait. Hein. Lui je lui ai déjà mis quadruple peine, c'est bon on a tout fait. Hein. Ça parle de TOEIC alors que tu sais pas lire l'heure. Parce qu'au TOEIC j'ai 925. On se rassure comme on peut ici mon pote. Non mais là on a tout fait, là on a tout fait. Non mais là on veut des nouveaux scénarios nous, trottoir. Non mais lui on lui a déjà tout mis, lui on est déjà passé mon pote, boucher incendie. C'est ça qu'il y avait une bouchée incendie à un moment là. J'aurais pu être plus dur. Non on rentre au bercail là. On a tout mis à tout le monde. Là, pour le coup, c'est bien. Pour le coup, il n'y a pas de... Elle est faite, la quête. En fait, la quête, c'est juste, tu prends des points dans la journée. Là, on va passer niveau 2, là, je pense. Là, on passe niveau 2, là. Jusque la première journée, on n'aurait pas dû arrêter le mec, mais bon. Allô ? C'est pour ça que je peux pas faire table, ça bug le jeu genre. Ma journée est pas finie. Il est midi, tu peux pas. Peut-être à 13h. Trop tôt. Attendez, peut-être à 13h. Oh putain, c'est pas 13h. Il est pas encore 18h. T'as un message, non mais je peux rien voir genre. Mais genre on doit se faire un petit sudoku là. T'avais eu un message la dernière. C'est vrai qu'ils m'ont dit c'est fini. Tu es obligé de déco à 18h. Mais on fout. Putain on va... On n'en peut plus. Mais non mais je cours après des gens qui jettent des bananes putain. Je fais des études moi là. C'est pas une vie. T'as faim pour rien. Non non ça va nous servir mais... Bon, toi, donne 20 balles, toi. Donne 20 balles, là. Oh, c'est Your Shift is Over. Non, mais en vrai, j'ai... On a Smurf, hein. Oh, attention, my lawyer, elle semble vraiment triste. Putain, je suis à deux doigts de... On va aller trembler, là. Je m'y connais peu, mais... Non, mais on va retourner voir le parking, du coup. Ouais, à chaque fois, ici, il y a des accidents. Putain, on doit faire le tour, piéton. Ah, c'est elle. Tu me facilites la tâche là mec. Traversée illégale, c'est 20 balles. Faut pas juste faire la quête. La quête mec on l'a fait là. C'est vrai, c'est le cercle blanc autour de l'horloge, ok. On va pas faire une scène devant tout le monde. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Ciao ciao. Après par contre on farm de ouf hein. 240. On est à 285 avec les bonus. On est quasiment au niveau max, hein. On va bientôt pouvoir patrouiller. Oh, il nous faudrait juste quelqu'un sur la place handicapée. Oh putain, je prie. Oh, je suis en train de prier, là, allez. La dépanneuse est passée, hein. Allez, 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 bordel. C'est pour nous. Putain, non. Oh, la vache, ils se font pas avoir. Ça grippe pas, hein. Ah, ça, c'est vraiment... Oh, septembre 2020, bien joué. Ça, c'est vraiment quand tu dois rentrer dans les quotas, là. Putain, putain de merde. On est niqué, là. Peut-être ici, il y a peut-être encore deux, trois petites amendes à mettre. Oh bah, lui. Oh bah, frérot, qu'est-ce que tu nous fais, là, toi? Oh bah, toi, c'est stationnement dangereux, là. Hein. Stationnement interdit, ici. Hein. Ah là... Boum, 10 balles. Allez, on relance la machine. Allez, c'est reparti, là. Oh, on a besoin d'être relancé, là. Ah oui, c'est le compteur en haut à gauche. Dépanneuse. Mais oui, dépanneuse en plus. Ah, je lui mets une dépanneuse en plus, on reprend. Bien joué, super bien vu, ça. Super bien vu, on regrette 10. Magnifique. Ah là, vous êtes bon. C'est dans ces moments-là que je vois que vous êtes bon. L'endroit n'est pas très accessible, ouais, 24 heures. Ok, parfait. Là, il y a une rue, là. Est-ce qu'il y a du mec qui monte sur le trottoir, là? Allez, on souhaite un trottoir, là. Oh, pas de trottoir, putain. Pas de trottoir. Taxi contresens? Non, non, taxi était bien. Attention, hein. Hop, putain. Mauvaise... Let's go. Plaque d'immatriculation périmée.
Let's go, 10 points en plus. On est quasi, on va quasiment être à... Oh, j'espère que ça va le faire. On reprend 5 de bonus en plus à chaque fois qu'on chope des mecs comme ça. Hein. C'est l'idéal de les choper. Ça, c'est 2021. Putain, ils ont bien payé, c'est dommage. Monsieur, monsieur, monsieur. Je vois des points là-bas, je vois des points. Je vois des points. Est-ce que déjà on a des points? Oh, c'est 2021, dommage. Oh là là, c'est beaucoup de points ça. Hein. Zone d'interdiction de stationnement. Immense BG. Putain, mais pompon! J'espère que tu vas bien. Alors là, j'appelle la dépanneuse en plus. Je reprends 10 points. On est à 300 points, 360. Les gars, c'est... Normalement, c'est bon. Et on a quasiment fini le service. Normalement, c'est bon. La dépanneuse, normalement, c'est bon. On va pouvoir patrouiller. On va avoir accès à une nouvelle zone. Je vais avoir le radar. Oh putain, je vais avoir le radar. Les vélos, on peut... Y'a pas un mec là qui veut jeter une banane, un truc là? Pff, là-bas, on n'a pas de check. Hein. C'est des zones autorisées de parking, ça? Je suis pas sûr. On n'a pas accès, putain, on n'a pas accès. On est niqué. On est niqué. Pompon qui profite de l'abonnement moins cher. Non, mais c'est bien vu, y'a pas à dire. C'est bien utilisé, ce sub. Là-bas, y'a des gens, là, ils se font quoi? Non, ils sont juste à l'arrêt. Attends, les mecs vont pas quand même avoir une mauvaise plaque alors qu'ils sont devant le commissariat. Ils vont pas faire ça, ils sont pas cons. Allez, bordel. Hein. Jeter une dernière poubelle, les gars. C'est le moment, faut se faire plaisir, là. Quelqu'un qui traverse, un peu pressé, qui a un rendez-vous, c'est le moment ou jamais. On fait des promos, c'est à 10 balles en ce moment. La bouteille, madame. Lui. C'est quoi ces chaussures? Pas les pousser à la faute, non. Je pourrais me jeter sous les roues et on peut rien faire. Putain. Ah mais là il y aura pas, il y aura rien là, il y aura rien. Ah je suis dégoûté. Là je suis dégoûté parce que y avait moyen de. J'espère juste. Non mais si normalement 360 on est bon. 360 on est bon, on va tempo devant maintenant. Toi tu zones beaucoup toi, avec un sac en plus c'est un peu louche. Non mais c'est pas le moment de prendre une pédalité. Ils sont tous au téléphone dès que je les lâche. Là, je pars. Il range l'hôtel. Ok. It's fine. Have a nice day. Ah, tu vois, il y a quand même un tic. Il y a quand même un tic où... Mais pour l'instant, personne m'a vraiment menti. Hein. Bon, de toute façon, on a fini, là. On a fini, on fait 360 points. Honnêtement. Là, on est pas mal. Est-ce qu'il y a d'autres pièces? Non, c'est pas un commissariat non plus hyper excitant. Putain, juste un dernier déchet. Dernier déchet. On se fait un dernier déchet. J'espère que c'est pas loin. Putain, il nous échappe. Il nous échappe. Putain, il nous a échappé. Oh, il m'a échappé. Bon, il a de la chance. Notre journée est finie. Allez, journée finie. Vérifie tes identités au pif. Non, mais j'ai pas accès à table là aujourd'hui. C'est bizarre. Ça me semble bizarre que cette journée soit aussi longue là. À droite. Il n'y avait pas un truc qui, avec les gens qui bougent bizarrement. Ouais, mais ils n'ont pas bougé bizarrement. Parce que je pense que là, c'était que des petites... Tu sais, là, c'était, ça allait être la zone un peu tuto, là. Oh, je crains le bug, quand même. Je vous le dis, je crains un peu le bug. Salut, ça va? Ça va, et toi? Unknown off. Merci pour le 3e mois, 15 mois pour Zblul, 3 mois pour Daskido, 8 mois pour Judek, Critique, il lâche son Prime, Atom, 9 mois. On vient de démarrer une nouvelle journée, là. Sur le gong. Oh, bordel, le gong. Oh, ça s'est joué à rien. Oh, ça s'est joué à rien, parce que là, sinon, c'était fin du buzz. Et Angel, merci pour le 11e mois. Dani Lopez, chargé un réglage prédéfini. Bon, notre rapport, non, mais là, on a été excellent. Il y avait aucune difficulté, on n'a rien perdu. Ah putain, mais en fait, les... J'ai un appareil photo. C'est bien. J'ai le pistolet radar, putain, ça c'est un plaisir, ça. Oh ! Appel accrochage. Oh, quand il y a des voitures qui... Mais putain... Signaler les excès de vitesse, je peux faire ça aussi. Encore ? Beaufort Landing, j'ai un nouveau endroit. C'est le feu. Encore ? Mais c'est bon ! Encore ? C'est fini. Non, c'est fini, mais c'était déjà bien. On a quand même beaucoup... On a pris du plaisir là-dessus. Bon, pas parfait, j'ai une nouvelle zone. Ça, c'est... J'ai deux nouvelles zones.
patrouiller à pied. Alors du coup, maintenant, j'ai tout là. Je peux faire des, il peut y avoir des accrochages. Je peux faire un pistolet radar. Je suis à l'aise là. Hein. Progression de carrière, je suis à 2 sur 30. Ah oui, non, mais vous voyez, c'était bien 2 sur 30. Hein. Oui, bon, la patrouille libre, elle n'est pas prête d'arriver, quoi. Pour l'instant, on est en patrouille à pied, quoi. 2 sur 5 patrouilles jouées. Bon, pour l'instant, on est encore... Tu passes 3, tu as la voiture. C'est 30, hein, la voiture. Est-ce que je peux faire table, là? Je peux pas faire table. Est-ce que je quitte le jeu, vous pensez? Je peux pas faire table. Ah, c'est level 3, la voiture de patrouille, ok. Déjà, j'ai l'impression qu'on a changé de bureau. Bah oui, normal, je suis plus au même endroit. Est-ce que je décoreco? Parce que je peux pas faire table et du coup, je peux pas accéder au... Ce qui est quand même chiant, tu vois, je peux pas accéder, comment ça s'appelle, à l'ordinateur. J'ai dû le voir passer. Ordinateur. Ouais, on relance, hein. F5, P1. J'ai fait F5 comme un con. M ou H, ça y est. Oh, c'est un génie. C'est un génie, le mec. On a le dev du jeu, là. C'est fou. C'était H. Ça t'emmène sur une autre fenêtre, mais du coup, qui te permet de récupérer l'autre, quand même. C'est incroyable, ce qu'il a fait. C'était marqué. Ouais, mais ça reste... Moi, je l'ai pas vu, personnellement. Widow, merci pour le sub. Après, moi, je vois assez peu de choses. Bon, là, pour l'instant, on n'a pas fait. Mais du coup... Tab marche toujours pas, mais H fonctionne. Magnifique. Ok, bah parfait. Ça me va très bien. Bon, alors du coup, là, on doit signaler des excès de vitesse avec le pistolet radar. Oh non, mais ça, c'est génial, ça. Oh, mais ça, par contre, attendez, je vais me cacher. Oh, non, mais ça, c'est un plaisir. Je vais me mettre là, comme ça. Périmé. Bah, comment je l'arrête, maintenant? Ah, c'est vrai que c'est... Faut prévoir ça, aussi, parce que... Oh, mais putain, là, il y a des dingueries, là. Y'a accident! Accident, accident! On a besoin de moi, là. Accident! Accident de voiture. Interroger les gens et les conducteurs pour identifier et élucider les circonstances. Mais c'est... Le jeu est trop bien! N'oubliez pas de mener une enquête approfondie. Oh, ça, c'est tout moi, ça. Et de leur donner des procès-verbaux. Mais putain, mais c'est fou! Oh, j'enquête. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Oh là 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 là, le carambolage! 3 personnes! 3 voitures! Ah, ça abandonne des déchets, mais il faut se retenir. Attention, monsieur. Hein. Je vous ai à l'œil. Bon, on commence par lui, là. T'es au téléphone alors qu'il y a eu accident. Test de dépistage. Interroger les témoins. J'interroge en premier. La façon dont cette personne conduisait avait l'air dangereuse. Ok, ça cible la personne derrière qui a l'air d'être la personne à la camionnette. Toi, tu vas me souffler dans le ballon, quand même. D'alcoolémie. Ah, il est 9h du mat, ça serait terrible. 0056. C'est 05, hein. C'est quoi? Rappelez-moi, parce que c'est vrai que... C'est... Combien, déjà? Les jeunes conducteurs, lui, ou... Comment... Arrête-le, je sais pas, c'est... On va faire la drogue aussi, on sait jamais. Hein. Allez, on fait les deux. Non, c'est 0,5, c'est 0,5. Un petit coup pour la drogue. Ça dit quoi? Amphétamine. T'es mort. Cramé, le mec! Accident! Sous influence de drogue. Ah bah là, monsieur, je vais vous demander directement... Toi, je te menotte. Un délit lié au narcotique. Toi, boum. Possession, conduite en état d'ébriété, conduite sous l'influence d'amphétamine. Mon pote, toi, c'est fini pour toi! C'est terminé, heureusement que c'est pas un accident mortel. Hein. Je vais te demander ta carte d'identité aussi, si jamais je peux te mettre un petit 20 balles parce qu'elle est pas... Elle est expirée, vous devriez appeler le transport. Bah, Matt, pourquoi il avance? Pourquoi il avance? Arrête-toi! Qu'est-ce qu'il fait? Monsieur? Monsieur, arrête! Allez, hop là. Gay! C'est... Oh non... Ah, il était en délit de fuite. Control 4561, taking care of the accident. Ouais, délit de fuite... Moi, je l'ai vu en délit de fuite. Il y a eu un peu... Il y a eu plaisir à sortir ce pistolet. Paralysant. Mais il était pas loin de s'enfuir, quand même. C'est fin du jeu, du coup? Oh non. Oh, pardon. Il allait sur le trottoir.
Oh non, on avait un accident et tout, ça avait l'air vachement bien. J'ai toujours mes armes. Enfin, mes armes, mais... C'est bon, j'ai mon pistolet. Et l'appareil photo, je fais quoi avec? C'est un peu bizarre. Petit souvenir au standard. Michel? Ah, il veut pas. Oui, regarde, ne regarde pas. Oh, c'est con, là, il n'y a pas un bon angle, là. Je vais le prendre de côté, la photo. Putain, mais j'ai qu'une personne, là. Ah, putain, le contre-jour. Faut qu'il me regarde. Parfait. On est bon. On prend des souvenirs. Bon. Oh, mais il n'y a plus l'accident. J'ai trop le mort. Ça avait l'air trop intéressant, l'accident. On allait faire... Non, j'ai été con, en plus. Excès de vitesse. Ouais, mais c'est beaucoup moins que... C'est pas mal, quand même. C'est pas mal, quand même. Cette voiture a grillé un feu rouge. Et du coup, je comprends pas ce que je fais, moi. Je cours après, là? C'est horrible comme vie. J'aurais dû faire une photo. J'aurais dû sortir l'appareil. Putain, j'aurais dû sortir l'appareil pour avoir la plaque. C'était ça qu'il fallait faire. Oh, putain. Ah, coup dur, là. Et là, du coup, on doit attendre. Ah, je suis trop loin, je suis trop loin. Ah bah, plaque d'immatriculation périmée. Mais du coup, je fais quoi avec ça? Mais du coup, la vérification... Il a un mandat d'arrêt, en plus, le mec. Comment je l'arrête? Clic gauche avec le pistolet radar, c'est ce que je fais, les gars. Non, faut pas qu'on tire. En fait, je pense qu'il faut que ça soit des voitures qui viennent face à nous. Cette femme vient de traverser illégalement. Non mais là on est sur des plus gros coups là. Éclairage sous châssis. Ah bah l'autre là, l'autre. Ah putain. Éclairage sous châssis là. Madame, vous avez un éclairage sous châssis. Là je suis en clic gauche. Hein. Ah c'est... Ah clic droit c'est... D'accord. En fait c'est clic droit. Clic droit en fait tu prends la photo. Ok. Mais du coup, éclairage sous châssis, je fais quoi? Madame, je prends une photo de vous. Voilà. Vous pouvez y aller, madame. Je sais pas si c'est convaincant. Non mais là, en fait, faut juste... Non mais c'est bon, j'ai compris au moins le pistolet radar. Il faut que je me positionne à un bon endroit. Je vais me foutre là. Ah mais on s'en fout des gens qui traversent illégalement, là. Je suis sur des gros coups, là. 24. 29. C'est limité à combien? 35, je le prends. Rapport. Non, j'ignore. J'ignore. C'est combien là? C'est 50? 50 miles? Oh putain, mais là on va pas en avoir beaucoup. Hein. Je suis pas un bon spot, hein. Faut peut-être que je m'éloigne un peu. Mais pas un feu rouge, PA. Ouais, mais tu vois, là on a une bonne avenue là. Je vais la mettre un peu, je vais mettre un peu plus loin. C'est 35 en ville. 35 miles. Je viens d'abandonner les déchets. Ah les gars, je suis plus SVP moi. Là, ça va être parfait. Là, les voitures, elles viennent. Je vais me cacher derrière la caisse ici. Oh là, c'est parfait. 23, il va prendre de la vitesse. 30, 32, 34. Il va faire la connerie, 35. Allez! Ça, il est bon celui-là. Allez. Ah, on a une autre chance là. Allez, lui là. Il vient d'acheter sa caisse. Allez, il revient de la chasse là, 25, 25, 30, tu peux la pousser ta caisse, allez, pousse. Pousse, bah, pousse, t'es pris. Je fais un rapport. Plus 5. Putain, ça renchaîne. 35. Là. 37 et c'est pris. Plaque d'immatriculation illisible, putain, bien vu. Rien à dire, il a bien joué le coup. Là, ici, je suis bien aussi, je suis bien là. 35, allez. Devant moi, dommage. Ah, c'est lent, c'est mou ça. Ça c'est mou aussi. Peut-être qu'il me voit là aussi, je suis pas bien caché là. Lui. Ah, je suis mal caché, je suis au milieu de la route. Là j'ai été grillé sur Waze là. Ah, les mecs ils m'ont foutu un... Ils ont foutu un petit truc de flic. Faut qu'on bouge. Putain, on prend que 5 pour... On prend que 5, hein.
pas se faire un petit stationnement trottoir là au passage? Au passage on se fait une petite Oh oh oh. Ça vient vite. Ça vient vite. Putain de merde, on n'y arrivera jamais. Hein. Là là là. C'est illisible? Non, si on peut faire la plaque. Rapport. Boum, plus 5. Ouais, il y a de la chance. Oui, 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 oui. Rapport direct. Traversée illégale. Je vous ai vu, madame. Je vous ai vu, madame. C'est 20 balles. Allez, 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 allez. On arrête les conneries, là. On arrête les conneries, là. Ah, c'est cher, hein. Ah ouais, mais c'est dangereux ce que vous faites. Elle est vraiment en colère. Bye. Attendez, parce que là, il y a des gens qui passent derrière vous, là. Cet homme vient d'abandonner un déchet. Oh, c'est pas grave. Merde. Non. Ah, je loupe des occasions, là. 35. 35, là, là, il va vite, lui. 35, putain. Dommage. Merci, sergent, pour le sub. Et là, on est pas mal, là. Là, lui, il a la courbe. Là, il bombarde. Sortie de virage. Sortie de virage, vas-y, vas-y, vas-y. 35, putain, les gars. Lâchez-vous, hein. Ils se retiennent, les mecs, hein. Ils se retiennent de fou, hein. Lui, là. Lui, il va partir fort, lui. Lui, je le sens partir fort. Allez, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Oh non, ça conduit mal. Pas de plaisir de la vitesse. Oh, y'a rien, y'a rien. Putain, je vais devoir me refaire les déchets, là. C'est encore la même? Oh, mais elle abuse, elle. Bah, tu reprends, hein. Ah non, mais... Peut-être parce qu'il te voit. Je pense qu'il me voit. Je savais pas si... Allez, tu reprends 20 balles. Non, mais en fait, faut bien se placer. Faut bien se placer, ça joue beaucoup. Ah bah, tu m'étonnes, tu viens de prendre 25, ça commence. Ah, t'as pas l'argent? Oh... Bon, je te laisse partir. Ah, vas-y, c'est bon, c'est bon. On n'est pas là non plus pour inquiéter les honnêtes gens. Encore quelqu'un qui a... Comment c'est... Ah, mais ouais, lui, il a freiné direct. Parce qu'il me voit, en fait. Pourquoi il freine direct, les mecs? Lui, il est mort, lui. Lui... Putain... Allez! Bordel! On n'est pas bien, on change d'endroit. On est grillé. On est grillé, on change d'endroit. Putain, c'est ça, j'ai trop le seum de... Ah, mais là, je suis... Go sur le pont. Oh oui, vous êtes géniaux. Je vais aller là-haut. Oh, c'est pas ma zone. Oh, j'ai envie de crever. Or qu'il y a un accident de l'autre côté. Secteur d'affaires... Je dois y retourner. Oh non. Oh non, il y a un accident qui a l'air trop intéressant. Je peux peut-être rapidement... Oh non, je peux pas. Je dois y retourner. Putain, vie de merde. Avant d'être, on sait pas quoi, mais je suis en presse, quoi. Sauf que du coup... 35. Putain, là, je suis pas mal caché, là. Là, ça va venir fort, je pense. Là, les voitures en face, t'as le 4x4. 4x4 bleu. Ok, j'ai un 4x4 bleu. Ça va démarrer, ok, feu vert, feu vert. Ah, il se fout de ma gueule, il m'a vu. Je suis grillé. Qu'est-ce qu'il... Il est en ville, mec? Ça va, où? Ah, il y a un problème, là. Ah non, mais là, il y a... Oui, pousse. Pousse pas, qu'est-ce que tu veux? Ça pousse pas. Putain, mais là-bas, il y a l'accident, mais je peux pas... Bah oui, là, j'ai plus personne qui vient de ce côté, du coup. Ah, putain, non, mais là, on tourne en rond, là. Ok, c'est bon, on change de spot. Très mal garé, ce mec, au passage. Je vois deux doigts. Lui, il prend tarot, lui. Lui, il prend tarot. Là, il y a quelqu'un, il est carrément sur la chaussée. À un moment, mon bon monsieur, hein, je veux bien aider, je veux bien être gentil, mais... Il y a un moment, voilà. Là, il y a un mort, en plus. Il y a un mort? C'est un délit de rouler trop lentement, normalement. Ah, tu prends 10, hein. Tu prends 10 pour un stationnement de merde, alors que quand tu... On voit quand des voitures de flics, là, qui... Putain, mais là, on a l'impression qu'il y a des flics qui arrivent, mais non, en fait. Ah, j'aurais surkiffé me mettre sur le pont. Mais ça... Mais ça va pas être au bon endroit, Je suis où, moi? Je suis sorti de la ville?
Je suis sorti de la ville. Intéressant. Je suis plus dans la ville. Ah là, on n'y arrivera pas, je pense. Lui, il est arrêté en plein milieu. Il branle quoi, lui? Tu fais quoi, toi? Je fais un rapport. Moins 5. Ah, le mec est en plein milieu! Tu m'étonnes qu'il y ait des accidents! Non, mais là, je suis désolé, mais faut revoir... Cache-toi, mais en fait, tu peux pas t'accroupir. Mais il faut qu'on les ait... Ah, là, c'est pas mal, là, c'est pas mal! Oh, je l'ai eu à 35-5! Il prend son rapport. Oh non, 35-5, ça passe. Oh putain, là, j'étais bien. Là, j'ai un spot. Non, mais là, j'ai un spot, mais c'est juste qu'en face, il y a un accident. Du coup, on est niqué, ça viendra plus. Là, en fait, je pense que tout le quartier est freeze. Il y a un autre accident là-bas. Non, mais là, je pense que le jeu a bugué parce qu'il y a eu un accident qui devait pas avoir lieu. Et du coup, les mecs se rendent tous dedans. Oh, dites-moi que c'est pas hors zone. C'est pour moi. C'est pour moi, on a une enquête. C'est bon, je tasse pas. Je tasse pas, j'ai une enquête. Oh, ça relance tout là. Bon, il s'est passé quoi là? Là, j'ai l'impression que cette voiture est... a pas vraiment de carambolage. Déjà, hop, direct, premier réflexe d'enquêteur. On n'hésite pas. Bon, madame. Il y a une enquête là en cours. Monsieur. C'est marrant. Parfait. Alors, plaque périmée déjà. Plaque périmée. Alors, non, déjà, on va poser des questions. Alors, parlez. Déjà, je vais lui demander ce qui s'est passé. Oui, je crois que j'étais pas complètement maître de mon véhicule. Il assume. Ok, il assume. Pourquoi est-ce que t'étais pas maître de ton véhicule, toi? T'as bu? Tu sortais d'un resto? Sous influence d'alcool. 0,18. C'est pas 0,5 maintenant? Bah t'es mort quoi. On va voir si t'as de la drogue, mais là t'es... Ouais, ça se voit à ses yeux. Non mais c'est vrai que ça se voit à ses yeux. On va faire le test d'alcool de drogue aussi, mais il est mort là. C'est 0,08. Bon, il a pris que de l'alcool. Bon bah du coup, constater une infraction hein. Mais attends, je constate, je lui mets les menottes. Qu'est-ce que je lui fais, le gars? Donner procès verbal. Bon, déjà, conducteur. Défaut d'assurance. Conduite. Ah ouais, non, c'est voiture. Ah, c'est ça que tu peux faire, éclairage sous châssis, d'accord. Ok, on comprend. Ah bah non, mais là, c'est direct menottage. Hein. Mais c'est pas narcotrafiquant. Donc du coup, Ok, here's your accident. Oh, c'est trop tôt. Elle commence, casse pas les couilles, je suis débutant. Je te demande ta pièce d'identité. Bon, lui, il a pris alcool. Vas-y, hésite pas. Ok, lui, il est sous influence d'alcool, donc déjà, il prend cher. Bon, il est donneur, 2021. Ok, on est bon. Tiens, reprends. Est-ce qu'on le fouillerait pas? Le mec, il est ITTube. ITTube, ça part en fouille. Vous avez le droit de porter jusqu'à une once de cannabis sur vous à Brighton. Il a 7 grammes. Il a 7 grammes. Et une clé USB. Ah non, mais là, t'es foutu, mec. Hein. Narcotrafiquant, là. Possession de narcotiques, là. Possession d'une trop grande quantité de cannabis. Une once supérieure à 7G. C'est combien une once? C'est combien une once? Parce que c'est vrai que... Une once égale 28 grammes. Comment ça t'as le droit d'avoir 28 grammes sur toi? C'est-à-dire que... C'est 28 grammes? Ah ouais. Conduite en état d'ébriété. Bon, je lui mets ébriété. 28 grammes? Ah bordel! Ah oui, t'as le droit d'être tarbé, quoi. Enfin, c'est pas tant. C'est déjà un bon début, quoi. Bon alors lui, qu'est-ce qu'il nous fait lui? T'en as pensé quoi? Je crois que cette personne est saoule, personne ne roulerait comme ça en étant sobre. Bon, ok, pour l'instant ça se tient. Lui il a pas l'air de dire n'importe. On va vérifier. On sait jamais, petit dépistage de drogue lui. Ça dit quoi? Lui il est taxi hein, donc lui... C'est pas assez pour dealer quoi. Ok, qu'est-ce qui s'est passé? Alcool. Il part le gars. Non bah j'étais à zéro, j'espère qu'il se fout sur le trottoir. Hein. Parce que sinon, 001, t'es bien. Attends, il est bien sur le trottoir, l'autre con. Ouais, il est là-bas. J'ai eu peur. Bah lui, qu'est-ce que je lui fais, lui? Je vais demander à la troisième personne ce qui s'est passé. Je
crois que cette personne est saoule, personne ne roulerait comme ça. Bon, ils ont la même histoire. Ils ont la même histoire. Ils ont à peu près la même histoire. J'ai demandé la pièce d'identité. Procès verbal est suffisant. Donc là, déjà, tu vois, quand t'as passé la première barre, tu peux déjà remplir le truc. Alors, donc L2023, donneur. Ok. Et l'assurance. 2021, date de naissance. Ah, tu peux comparer si jamais. 0201. Ah ouais, tu peux aller loin. Hein. Tu peux recomparer avec la plaque d'immatriculation. 8FM, retenez 8FM. Grace Richardson. Grace Richardson. Ah ouais, tu peux aller loin de fou. Hein. 8FM. Vous retenez 8FM. Hein. Non, mais elle est clean. La plaque d'assurance de ce véhicule est périmée. Oh, bon, je te mets un 20 balles. Ah non, mais Ah oui, putain, mais ça, c'est... En fait, quand la personne sort, c'est direct sur elle. Bah, c'est une infraction sur le véhicule. Plaque d'immatriculation périmée, je te mets ton 20 balles. Ah, c'est 50 balles, ou 250. Fouiller véhicule. Non, non, on va fouiller que le véhicule de la personne saoule. Pourquoi c'est si cher? Ah, je suis désolé. Hein. Je suis désolé, je te laisse partir. Vie de teinté aussi, bon, faut la laisser vivre quand même. C'est vrai qu'elle a envie de teinté. Toi frérot, j'ai pas demandé de pièce d'identité là. Ça j'ai pas fait ça. Vie de teinté, elle a pris 200 balles déjà les gars, elle est bien. Tu me donnes ou? Alors lui. Lui, 2022, donc c'est bon. Il est né le 10-93. 23-10-93, donc c'est bon. Date d'expiration, on est bon. J'aurais dû vérifier avant la plaque. C'est une 4 portes, 5 DV. Fais le rapport, non mais on peut le faire progresser. Ah bah il n'y a pas de plaque hein, à l'avant. 5 DV, ok c'est bon. Oh là là, plaque d'immatriculation périmée, lui il est mort. Hein. Lui je vais lui fouiller son véhicule lui. Lui on va fouiller le véhicule direct pour savoir si jamais il y a des dingues ou pas. Non, il n'y a pas l'air d'avoir grand-chose. Aucun objet trouvé, ok. Bon, mon pote, toi, tu vas prendre perpète, toi, là. Enlever les menottes. Ah, mais merde, je peux plus rien lui faire. Ah, j'aurais dû faire avant. I need some backup here to take a suspect into custody. Ah ouais, bah là... T'as fait que la porte droite. Ah, tu penses... Non, je pense que tu fouilles le véhicule, sinon c'est un enfer. Je pense pas qu'il faut fouiller des quatre côtés. Non, non, fouille du véhicule, ça te fouille tout. Bon, toi... je te donne le procès verbal. Examiner les plaques. Okay, here's your accident report. Thank you, officer. Parfait. Et lui, je peux le laisser partir, lui. We're finished. Non, c'était écrit côté conducteur. Ah, ok. Have a nice day and take care. Ok. Bah là, on va refouiller. Alors, comme quoi le conducteur du véhicule conduit sous influence ou a commis un délit? Je pense que ça allait, mais... Je pense qu'il n'y a rien aussi. Mais oui, non, mais je pense... Ah si, c'est porte avant gauche. Non, mais c'est un cauchemar si tu dois tout fouiller. Merde, j'ai voulu fouiller derrière. Non, mais attends, tu dois pas fouiller... Vous pensez que c'est genre... truc après truc? Parce qu'on s'en sort pas, là, si c'est ça. Le bouchon qu'on a créé. Genre là, je vais fouiller le coffre et tout. Ah ouais, c'est ça. Y'a quoi dans le coffre? Une lettre. Ok. Bon, j'appelle la dépanneuse. Hein. Ah, mais là, ça va pas repartir tout de suite. Hein. Terminez de vous occuper de l'accident et rédiger un procès verbal. Bah, en fait, là, le souci, c'est que j'ai pas le procès verbal, du coup. Attendez. Je cancel l'arrestation pour lui refaire. Pour le re-arrêter. Parce qu'en fait, je lui ai pas. Là, je lui enlève les menottes. Et en fait, je vais lui redonner le bon procès. Lis la lettre. Attends. Putain, je peux plus. Oh là là. Oh, j'ai fait nimpe. Parce qu'il faut... Il faut rédiger le procès verbal. J'ai fait de la merde. J'ai fait de la merde. Il a même pas de truc d'assurance, rien. Oh, j'ai fait full merde, putain. On avait déjà vu ça, mais il nous avait pas donné de truc d'assurance, lui. Aïe, aïe, aïe. Tu as oublié pour la fille le rapport. Oh là là, bon, je le laisse partir. On étouffe, on étouffe. On étouffe, on étouffe.
Et comment je finis ça, du coup, l'action, là? Ordinateur de... Je lui avais déjà donné à lui. Ouais, mais je lui avais donné, mais quand il n'y avait rien, en fait. On étouffe, on étouffe! On étouffe, y a bavure, là. Il y a vice de procédure, c'est foutu, là, les gars. Tase-le, je peux pas le taser, là. On a... Mais comment je finis, terminer de vous occuper de l'accident et rédiger un procès verbal? En fait, j'aurais dû le faire, mais je l'ai fait pourtant sur l'autre. L'autre taxi et HS aussi. Non, il peut repartir, l'autre. Juste, il veut pas. Tu vois, l'autre, je peux plus le contrôler, il est déjà en caisse et tout. T'as déjà fait deux rapports qui ont pas le même contenu. Ouais, c'est ça le souci, en fait. J'avais... En fait, comme je connaissais pas... Tu le donnes à qui? Parce que le premier, j'avais fait procès verbal alors qu'il y avait rien. Ah, c'est bon. Ah non, ok, faut juste s'éloigner. Ok, on s'éloigne. Eh, je fais 150, hein, les gars. Eh, ça vaut le coup, hein. Mais c'était après l'avoir arrêté. Non, mais c'est bon, on a juste merdé l'ordre, mais maintenant on a compris, on sait comment faire. Tout va bien, tout va bien. Tu peux lire la lettre? Non, tu pouvais pas. Je pouvais pas... T'as un point d'intérêt à 120 mètres. Bah, à 65 mètres, j'en ai un. Et à 50 mètres, j'ai le commissariat. Si vous voulez, on va voir à 50. Qu'est-ce qu'il y a à 20 mètres, là? Vous avez atteint votre destination. Ah putain, mais c'était juste là. C'était en fait pour lancer la quête, entre guillemets. Donner une contravention pour stationnement. Ouais, ça, c'est le... C'est le everyday taf, quoi, j'ai envie de dire. Pas de parking le Monday. Bon, allez, 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 hein. Allez, c'était sale journée. Sale journée de taf. On a fait des photos. On termine la patrouille. On termine la patrouille. Demain va être une meilleure journée. J'ai peut-être mis un point sur la map, il s'est peut-être passé des choses. Danny a eu une sale journée. Ça arrive à tout le monde. Danny, il était mal luné. On fait 140 SP, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est énorme. On n'avait jamais fait ça encore auparavant. Regardez. Je vais prendre l'XP. Je suis pas niveau 3, quand même. Ça fait chier. Nouvelle journée au bureau. Venez, on teste Chester, là. Chester, parce qu'il va y avoir un accident. Là, en fait, il nous faut le niveau 3 et on aura... Welcome to Chester, je prends full XP, en plus. Là, pour le coup... Je vais commencer à avoir... à bientôt avoir les... la voiture de flic. Non mais il nous faut un nouvel accident. Maintenant on va régler les accidents de deux là. On a mis un peu de temps, c'est vrai. On a été un peu long à la détente. Petite bière. Bah, on n'a pas de pote, mais après on va peut-être avoir un partenaire, genre. Je pense qu'on va avoir un partenaire. Moi j'ai envie de conduire une voiture. J'ai envie de faire des patrouilles, moi. 2021, putain, bien joué. Bien joué, rien à dire. Oh putain, comme ça, rapido, là. Rapido. Rapido. Attends, quoi? J'ai plus pouvoir? C'est bon. Oui. Merde, plaque d'image. Refaire. Je suis trop con, putain, il était pas assez rapide. Oh, j'ai le seum. J'ai le seum, on a refait de la merde. Oh, c'est incroyable, quand même. La quantité de merde réalisée est assez élevée, quand même. Lui, il s'est arrêté direct. C'est louche, hein. Oh là, ça crée une prio, là. Il va partir fort, lui. Peut-être que lui va partir plus fort. Putain! Donnez-moi un accident, là. On veut un accident, je vais m'en sortir. Je vais m'en sortir beaucoup mieux. Contresens. Ah, qu'il y avait un contresens, là. Ah, mais ça, c'est l'autre endroit, ça. On est de l'autre côté, là. On se souvient d'ici. Ah, et maintenant, on peut aller où on veut. Là, juste, on serait plus à Chester, par exemple. Pas de parking le mercredi. Ok, très bien. 25, ils vont tranquilles, là. Oh là là, mais lui, il a mon pote. Lui, c'est n'importe quoi, hein. Ordinateur. À quel moment tu utilises le taser et tu peux? Il nous faut un pont, ouais. Le pont serait l'idéal. Bon, lui, je lui mets contresens, lui. Allez, toi, tu prends contresens. Non, j'ai merdé. Non. Bon, je t'en fous un deuxième. Ah, rien à foutre. Ah, Danny, il a une sale journée, Danny. Ah, il en prend deux et il nous emmerde pas. Allez, allez. Voilà, et je prends 5 de bonus, là. Allez, putain, accélère, toi. Où est-ce qu'on va se foutre? Là, on est dans une trop petite ruelle.
Là, il nous faut une sortie de grande rue. Ouais, tu vois, ça, c'est des rues qui te donnent... Oh, quoique. Il va pas chercher la vitesse, hein. Il va pas chercher la fin de ligne. Hein. Ça, c'est un virage, là, c'est un virage qui marchera jamais pour nous, ça. Il nous faut un pont, il nous faut une grande rue, là. On n'est pas du tout équipé là. Déjà, il nous faut une voiture. J'ai vraiment l'impression de plus en plus qu'il nous faut une voiture et cette voiture, on l'a pas, là, pour l'instant. Là, on est dans des petits quartiers résidentiels. Lui, il va faire l'erreur. Oui, pousse, putain, mais pousse. Putain, peut-être là, hein. C'est peut-être pas mal ici, hein. Ici, je pense qu'on aura peut-être des gars qui font... Tu vois, genre là, comme ça, là. Mais comment ça, 25? Putain, mais... Accélérer, nom de Dieu, accélérer! Ah, c'est pas possible! T'es spotted là. Je sais pas si ça compte tant que ça. Hein. Quand je suis vraiment devant eux, oui, mais. Là, je pense que. Ici, c'est limité à 25. Speed limit 15. Oh! Cet homme vient de traverser illégalement. Bon, on va se le faire. Hein. Là, c'est 15, hein, la speed limit. Hein. Ça doit pas être partout à 15, quand même. Allez, va à 26, va à 26. Putain, putain. Là, peut-être. 21, putain. Allez, les gars, accélérez, là. Hein. Là, on a grave moyen, ici. Hein. Ici, je pense que c'est notre bonne rue. Ici, ça va être bien. Là, faut juste qu'il y ait des caisses, là. Je me cache un peu. Je suis caché des deux côtés. Et je peux même voir s'il y a des mecs qui viennent de là. Oh. Oh, c'est idéal. C'est idéal, j'ai l'accès à tout le monde, là. 15. Putain, il nous fait du 15. Hein. Sortie de virage. Allez, donne tout, donne tout! Oh putain, mais c'est pas possible, ils sont passés le mot. Là. 25, hein, 25. Là, peut-être. 30! 27! J'ai loupé. L'autre côté. Ah oh, putain, il a vu le flash. Toi, t'es mort. Putain, je suis à bout, je suis à bout. Cet homme vient d'abandonner ses déchets, mais c'est mon ancienne vie, ça. Je suis à bout, je suis à bout, je suis à bout, là. Je sais plus quoi faire. Tiens, viens là, toi. Toi, tu vas prendre 20 balles, toi. Toi, tu prends 20 balles, je suis à bout, là. Allez, hop là. On pense à la planète. Allez, on y va, là. Ah là là, le 27, là. On était si près. Oui, on a compris. C'est donc ça, les gros coups. Ah bah ouais, là, je suis... Tu te rends pas compte, là. Attends. Oh. Il a grillé le feu. Il grille le feu, en plus, hein. Mais en fait, c'est que ça rapporte que 5. C'est pas insane, hein. Voire un peu à chier, même, je dirais. Là, lui, il est mort, lui. Voilà. Non, mais là, par contre, on les a tous, hein. Là, lui, il respecte bien. Je suis idéalement placé, là. Putain, ça respecte bien, là. Là, c'est magnifique, hein. Là, je pense au redémarrage... Au redémarrage, ça va payer, les gars. Y'a pas un gars qui va vouloir venir vite en tournant. Un gars qui tourne de là, là. Et qui déboule dans le virage, il sait pas que c'est limité à 15. Ça venait vite! Ah, dommage. Ça venait vite, quand même. Pas un gars, là, qui veut venir rapido? Ah, 19, mais là, ça se fout au milieu, quoi. Oui, oui. Oh, putain. Il a été bloqué. Oh, ça part vite. Ça part vite. Je les connais, ceux-là. Je les connais! Et celui-là! Ah, ils sont bons! Petit Axel, là. Là-bas. En face. 25. Ça ira pas plus haut. Peut-être que là, voiture de sport, madame. Je fais genre, je m'en vais. C'est bientôt vert. Hop, je fais genre, je pars à gauche. Y a personne. Y a personne au passage piéton. Ça va accélérer, ça. Ça va accélérer. Ça pousse. Putain, rends-moi heureux. Oh, l'autre, il a... Dernier moment, full chat. Hein. Là. En fait, c'est hyper addictif.
Je m'en fais un dernier, il me voit pas, il me voit pas. Boum. 25, bien joué, mec. Là, ici, peut-être. Oh, putain, bien joué, les gars, bien joué. Faut que j'arrête, c'est addictif. Arrête d'être en plein milieu. Attends, c'est incroyable, on a jamais vu autant de PV. Ah non, non, là, faut pas non plus... faut pas tout me reprocher, là. Oh, il y a un accident. Terminé de vous occuper de l'accident, il est dit... Oh, il y a un mort. Oh, madame. Madame. Ah, faut appeler une ambulance. Il y a une dame au sol, qui a plus de jambes, apparemment. Ah, c'est une femme tronc, désormais. Ah si, elle a des jambes, mais elles sont cachées. Toi, t'as pas l'air très peiné, toi. Hein. Toi, mon pote, qu'est-ce qui s'est passé? Je conduisais normalement. Ah non, mais... Photo, il nous faut une photo, il nous faut une photo. Comment ça, il conduisait normalement? Mais toi, directement, c'est photo, là. C'est photo, et je peux te dire que toi, on te voit en gros plan, toi. Elle est belle, cette photo. Ah, il y a l'ambulance, test de dépistage, alcoolémie. Lui, il est pas bien, lui, il est pas bien, lui. Il y a un témoin à gauche, ouais, bien vu. 015, il est mort, lui. Lui, il prend tout. Poussez-vous, il y a l'ambulance, hein. Elle est en train de canner, hein. Il y a quelqu'un qui est en train de canner, quand même, là. Allez, prends tout, là. Ah là là, mais lui... Je le fouille. Ah, il est pas bien, il titube. Je le palpe et ensuite je le fouillerai. Il a quoi? Lunettes, écouteurs, yo-yo, je le fouille. C'est plus palpé, là, c'est... Là, on vérifie tout, là. Il a que des clés, en plus. Oh, mais là, il y a une morte, là! Madame, vous avez vu ce qui s'est passé? Madame, est-ce que vous avez vu ce qui s'est passé? La façon dont cette personne conduisait avait l'air dangereuse. C'est... Putain. On va le coincer, merci, madame. Merci, madame. L'ambulance réussit à passer, là? Bah, viens, l'ambulance, hein. Ah, mais là, il y a un souci, là. Bah bouge toi aussi, bouge là. Oh mais là, elle est morte la dame, hein. Je peux pas l'aider plus, hein. Ah c'est bon. Ils vont pouvoir la sauver. C'est un cauchemar là. C'est un cauchemar le bruit là. Isaac Moore. 25-10-92-08-09. Pas de port d'armes. Bon, oh, c'est bon, vous êtes là, les ambulanciers. Venez, hein. Je sais pas comment vous... Ah bah merci, putain. Ah bah ça, à l'autre. Elle est morte, hein. C'est fini, hein. Je suis désolé, mais... Ah bah enfin. Qu'est-ce que vous allez lui faire, cette bonne femme? Ah bah je crois que non, là. Ah putain, elle parle! Ah bah madame! Oh bah je crois que vous étiez morte, moi. Oh madame, elle nous a pas parlé. Expiré? Ah, l'assurance est expirée. Oh, bah, c'est magnifique. Oh bah je leur demande, du coup. Bon, elle est en vie, du coup. Mais du coup, non mais ça c'est souci à l'assurance. On lui met quoi, du coup? Conduite, état d'alcoolémie. On lui met un petit coup d'assurance en plus. Je lui mets quoi en plus? Faux chat. Putain, et du coup je me suis trompé. Fouille la voiture, on va tout fouiller, hein. C'est la prison, là. Je sais pas combien ils prennent après. Hein. Allez. J'ai cliqué sur F au lieu de... Il a alcool aussi, hein. Il a alcool. Date d'expiration. Mais ça va, les... Mais... 08-09-2020, on est quand, là, en haut à gauche? On est 07-05, les gars. Là, vous allez failli me faire une bourde, là, hein, si je vous fais confiance. Hein. Ah non, mais... Bon, attendez. Infraction. Avant, je vais fouiller le véhicule. Bah, c'est bon, elle est repartie, la dame. Je fouille le véhicule. J'aurais dû lui mettre les menottes. Mais limite, je lui mets pas. Comme ça nous donne une occasion de taser. THC plus amphétamine. Bon, tu prends 10 minutes. Hein, tu prends 10 minutes parce que... On est tous là pour découvrir le jeu. Mais il y avait une croix à côté. Non, mais sinon on s'en sort pas. Oh non, c'est normal, là, il faut. Oh, on est là pour être un bon flic et voilà ce qui se passe. Des stagiaires nuls. Oh, il a rien, lui, en plus, hein. Je le fouille de ce côté. Et à la fin, je fais le procès verbal. Mais je crois que je peux plus faire le procès verbal une fois qu'il est menotté, quoi. Je crois... Ah, il y a du chocolat. Bon, ça nous aide pas beaucoup. Non, mais alors déjà, je constate l'infraction. On le fait avant le procès verbal, ça, non? Putain, je... Voiture. Déjà,
Bah non, mais du coup, il a rien de tout ça, juste il a conduit en état d'ébriété. C'est quand le procès verbal qu'on le fait ? Constate tout. Donnez au conducteur le procès verbal de l'accident. Prenez les pièces d'identité des conducteurs et témoins, examinez les plaques, posez des questions, faites des tests et prenez les preuves en photo pour remplir le procès verbal. Ah bah voilà, bah le procès verbal, du coup, on l'a. Ok, here's your accident report. Voilà. This looks almost useless, but okay. Et là, maintenant, je te menote. Je peux pas le menoter. Comment je peux le... Conduite. Non mais tu vois genre... Comment je mets conduite en état d'ébriété? Je peux plus? Ah c'est dans narcotique, pardon, je l'ai fait juste avant, bien vu. Ils te le mettent dedans, ouais. Conduite en état d'ébriété. Ok, et là on l'arrête. Bon bah parfait. Oh et quoi, what? Il va se calmer hein. Et ça, je vais demander une dépanneuse. Ok, parfait. Ah bah putain, l'ambulance, elle s'est arrêtée là. L'ambulance, elle a percuté quelqu'un. Et lui, je demande transport d'arrestation. Parfait. Et la contravention pour alcoolémie. Non mais tu peux pas, mais c'est pas, il va en taule quoi, donc... Ok, parfait, on a bien géré ça là. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Vous avez tué quelqu'un encore? Putain, la roue est empêtrée. Ça va, monsieur? Oula, qu'est-ce qui se passe à l'arrière, là? Ah non, mais là... Putain, mais on est... Ça drift? Bon, le jeu est presque fini. Hein. C'est les sables mouvants, ici. Non, faut savoir que la ville a été construite sur, sur une ancienne cité antique, du coup, à 2-3 endroits, le béton est un peu mouillé, quoi. Mais bon... Ah ouais, là, c'est mort, hein, madame. Je veux bien vous aider, moi, mais je sais pas comment faire, là. Là, je... Bon, pardon, excusez-moi. Vérifie quand même, parce qu'elle a l'air louche, l'infirmière. Quatre roues motrices, maman. Ah, là, c'est mort. Là, c'est foutu. Il est toujours là, le man, il est toujours là. Bon, nous, on va se refaire quelques excès de vitesse, là. Tous les témoins ont reçu un procès-verbal. Ah, magnifique. Hein. Ah non, j'ai pas donné. Hein. Oh là, 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 les gars. Là, les gars, on sait ce qui va se passer, là. Je fais genre, je me prends un ticket. Je fais genre, je me prends un ticket, mais on sait très bien ce qui se passe dans quelques secondes. Dès que le feu est vert. Allez, on l'attend tous. Ça va dégainer. Allez, bombarde, bombarde, bombarde. Bombarde. Pousse-toi. 28. Et là. Et ça arrose. Il y en a pour tout le monde. Allez. Oh, c'était magnifique cette prise. Ça abandonne ses déchets derrière. Oh, c'était... J'ai fait un 4 à la suite, là. Non, là, c'était magnifique, là. Oh, c'était sublime. Il y a eu un... Oh, ok, pardon. Oh, c'était... Mais en fait, faut se cacher, quoi. Parce que t'étais caché. Ouais, c'est... Faut se dissimuler, en fait. Hop, je fais genre, je suis fleuriste. Oh, putain, elle a de la chatte, lui. Hop, je fais genre, je vais là-bas. Oh, je vais me cacher là. Bête de cachette, là. Putain, la voiture bleue. Hein. La voiture bleue, 100% hein, épette. Hein. 100% épette, la voiture bleue. Je les connais, ça démarre fort. C'est un V8. Il s'est arrêté, ce bâtard. Peut-être si je me recache. Oh là, il est bon. Ils sont bons. Non, on va pas forcer le destin. On s'en va. On va pas forcer le destin. Bon, bah, en vrai, on a pas mal donné, là, aujourd'hui. Hein. On a fait des points, là. Hein. Ah putain, l'ambulance. Ah mais là, vous êtes en train de niquer les pneus, là. Ah, pff, je suis très mauvais en mécanique, mais là... Bon, je la garde quand même pour... Non, je... Pour les journaux, on me demandera peut-être, quand même. Ah, pour les collègues. Hein. Celle-là, c'est pour les collègues. Ça abandonne ses déchets, là. Oh, mais ça m'emmerde, les gens qui abandonnent leurs déchets. Je vous prends en photo, madame. Bientôt, Oh, la dépanneuse. Et là, il y a le mec... Il s'est fait embarquer, le mec, ou pas? Ouais, c'est bon, il s'est fait embarquer. Ok, bon, là, on a pas mal bossé, hein. Honnêtement, on a été bon là. Hein. Là, est-ce que le jeu est payant? Oui, comme la majorité des jeux. Et le jeu, honnêtement, le jeu est pas mal, hein. Ça met un... Et là, encore, on n'a pas la voiture. Hein. En fait, moi, j'aime bien les jeux qui sont... Putain, il y a un pont. Il y a un pont, putain. Oh, la vache. Oh la vache!
non, je le prends à 23 alors qu'il est monté à 26. Il me voit là peut-être. Il va bombarder là. Bien joué mec. Peut-être qu'il me voit ici aussi hein. Mais là c'est, on est baisé parce qu'il y a un embouteillage là. On est niqué. Oh, on est niqué là, ça fait un peu chier hein. Lui qu'est-ce qu'il a lui, lui. Tu la débloques après la voiture je crois, niveau 3 là. Je crois que c'est pour nous après là. C'est bientôt le moment hein. Ah il m'a vu au bon moment lui hein. Plus c'était rouge pour les piétons, il y avait peut-être un timing pour qu'il passe. Hein. Il n'a pas le droit. Il y a infraction. Ce véhicule a grillé un feu rouge. Putain, c'est nul ce que je fais. Comment je les arrête quand ça grille un feu rouge? Comment je fais? Oh, moins 5, putain, c'était pas comme ça, on l'a déjà fait ça. Il regrille un feu! Et madame, là, vous jetez des poubelles partout! Madame, arrêtez-vous, bordel! Vous croyez qu'on fait quoi, ici? C'est traversée illégale, c'est 50 balles! 25, je suis gentil, c'est 50%. Tire dans les pneus. Non, mais je dois faire quoi quand... Il t'a nargué, mais j'ai rien pu faire contre lui. On est des ploucs, putain. Elle semble vraiment triste. C'est la vie, madame. Ah, là, j'ai loupé le gars. T'es pas assez discret. Pas assez discret là? Hein? Sur comme ça, sur du 27.4, tu me dis que je suis pas assez discret là? Sur une prise comme ça? Attends, celle-là. Oh yo yo, il y a quelqu'un qui a renversé le pot, mais c'est n'importe quoi dans cette ville. Là, je suis discret là? Non, je suis pas discret. Oui, pleine balle, ça vient en face. Oh putain, elle marche plus? Y'a plus de batterie? Ah, y'a plus de batterie, je crois. Bon, on rentre. C'est où mon chez-moi? Ah mais en fait, j'ai pas le bon bouton depuis le début. Bon, le radar est mort. Faut qu'on recharge les batteries. Je suis où là en fait? Ah ok, parfait. Je sais pas où je suis. J'ai quitté. Fallait si vite. Ah ça... J'ai rien pu faire. Non là... Là on est tous déboussolés je pense. Je pense que là... Là personne s'y attendait là. Ah et comme quoi ça arrive même au meilleur flic hein. Ah là on est Dernière sauvegarde. Quand ils disent 22h, c'est genre 22h il y a 50 minutes ou... Non. Non, 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 mais là, c'est bon. Ça nouf. Ça... J'aurais dû mettre... Je vais faire continuer. Comme ça, on va revenir pile au moment. Charger était une erreur. Continuer, je pense, sera bien mieux. On va continuer. On va mettre continuer. Il y a eu... Oui, continuer. Bah, vous avez bien vu que c'était l'idée, hein. Malheureusement, ah, bah, en plus ils nous mettent la totale. c'est normal, c'est une totale. Ils n'ont pas apprécié comment on est parti. Je peux comprendre. Voilà, des bavures à répétition. Bon, voilà. Ce jeu sauvegarde lorsque l'icône est affichée. Mais oui, on a sauvegardé récemment. Ça a sauvegardé très récemment. Alors continuer ou charger, c'est la même merde, hein, quand même. Hein. Ah ouais, c'est bon. Parfait. Allez, on y croit là. Allez, on est reparti. Non mais au pire, on le fait en 2-2, on constate l'accident, boum boum boum. Et c'est bon, ma patrouille est terminée là en fait. Attends, je comprends pas bien. Oh mais c'est bon. Oh, ça, le jeu est fort, hein, le jeu est bien. Hein. Oh la vache, le jeu, ils ont retenu qu'on était là. Merci pour tous les resubs, désolé, je lis personne. Et merci beaucoup pour le soutien. On est à nouveau plus de 5000 subs. Ça fait très plaisir. Je repars après-demain en vacances, donc voilà. Et on est niveau 3. La voiture.
On a un panneau de police. On a un stop police maintenant. Ah bah on va pouvoir se faire respecter là. Suspect recherché. Je peux appeler carrément ? Encore. La patrouille ! Oh, ça va mettre le giro. Historic Danton. Ça va mettre le giro. Oh, ça va partir en course poursuite. Oh, ça part tout de suite. Vous avez débloqué la voiture. Vous pouvez maintenant faire des patrouilles de... en voiture. Dans les patrouilles en voiture, vous pouvez facilement vous déplacer à travers le district qui vous a été affecté. Nouvelle journée au bureau. Ah bah là, on veut... patrouille en voiture. Putain, la patrouille en voiture. J'y vais en caisse, là. Patrouille en voiture, soirée. Ah, je peux patrouiller en voiture partout. Ah non, sauf à Chester, c'est que à pied. On fait quoi ? On fait le nouvel endroit. Nouvel endroit direct. Oh là là, la pape patrouille. Signaler des excès de vitesse avec le pistolet radar. Mais ça, c'est à l'ancienne, ça. Putain, on a... ça step up ici, hein. Un vrai comico, hein. On peut parler aux gens, Jean ? Ça va, les gars ? On parle pas. Ah, c'est boulot, boulot, quoi. Tu fais quoi, toi, là ? C'est un flic, lui ? Ah non, ça, qu'est-ce que tu fais ici, toi ? Tu veux me dire quelque chose ? I'd like to see your ID, please. Here you go, officer. Le Bronx, merci. Bon. Qu'est-ce qu'il fout là ? Have a nice day. Goodbye. Allume le gratos. Oh, non, on est au comico. Ah, moins 5, putain. J'aurais pas dû lui demander. C'était une demande abusive. Ça va toi, Fred ? Putain. Ah, comme quoi. Sale journée. Hein. Il a son petit Starbucks, là. Ah non, mais on se rend pas compte, la pression. Et ouais. Pas un taf facile. Ah oui, lui, je l'ai trop mal, quoi. Alors, je veux bien avoir perdu 5 points, parce que c'est vrai que... Non, mais ça laisse des séquelles, parfois. Hein. C'était le mec de l'accident avec l'ambulance. Non, mais je pense que... Il en a assez... Qu'est-ce qui se passe ici ? Ça parle de partout, là. Hein. Allez, allez, là. Ça blablate, ça blablate, hein. Je sais pas où je vais. Apparemment, c'est pas là. On sort par ici. C'est bon, je suis sorti. Elle est où, ma voiture ? C'est ma voiture. Oh, putain, c'est ma voiture. Oh, putain ! Ça va contrôler, petit pistolet de radar en voiture, là. Oh, putain, dans Paris, j'ai vu, maintenant, c'est une voiture qui... Oh, là, 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 là. Qui signe... Mais... Folie, c'est votre voiture de patrouille. Avant de monter à bord, pensez à ouvrir le coffre dans lequel vous trouverez des outils supplémentaires. Mais folie. Genre, en fait, c'est des voitures maintenant qui checkent si... Mais ça doit faire longtemps. Qui checkent s'il y a des... recharger les outils, prendre les fusées éclairantes. Ah, carrément. Ok. Qui checkent, en fait, si les gens sont bien garés. C'est une voiture électrique qui check si tout le monde a bien... Et ils se baladent, ça fait 3 ans. Ouais, mais j'avoue que... Oh putain. Ce véhicule n'a pas utilisé son clignotant. Putain, j'ai pas vu... Redonne le tuto. Ah bah putain, pas de clignotant, hein, y a eu... Alors là, je descends direct, là. Comment je descends ? Quitter. Alors là... Là, j'hésite pas à créer un embouteillage s'il faut. Hein. Alors là, pas de clignot, mais on n'a pas entendu le bruit des gyros, nous. Oh là 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 là, j'ai vu qu'il a pas utilisé son clignot. Qu'est-ce qu'il a fait, lui ? Dis-nous. Qu'est-ce qui s'est passé, monsieur ? Ça va, sinon ? Ah ouais, on l'a vu. Cette personne a tourné, pas de clignotant ni rien. Aïe, 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 aïe. Trouvez l'individu. J'y vais. Accepté. Putain, je dois trouver John Civi. Mini short marron, elle est armée. Oh putain, mais j'ai un accident aussi. Putain, bon, c'est de ta faute, toi. Allez, alcool. C'est de sa faute à lui. Putain, j'ai deux missions à la fois, là. Je sais pas si on va tenir. Elle est armée, hein. 006, bon, ça passe, ça. Il a l'air clean, le gars. Juste, il sait pas conduire, quoi. Oh, aïe, 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 aïe. Allez, allez. Ben, pourquoi lui ? Bah, c'est lui qui a pas mis son clignot. Tu penses... Non, non, on a vu que non, on a vu que non, on a vu que non. Je l'ai vu. T'as pas clignoté. Cette vitesse, non utilisation du clignot, tiens. Allez, contravention. Allez, 120 balles, là. 120 balles. Raciste mono, il met pas son clignot, il provoque un accident, les gars. Y a pas de contrôle de faciès, on l'a vu, s'il vous plaît. Pas à nous. Pas à nous qui avons contrôlé, qui avons arrêté. Qui avons tabassé, peu importe les couleurs de peau. Ah non, 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 là, c'est...
On fouille un peu tout le monde là. Y a un truc ou pas? Guide de la ville. Ah oh, putain, il découvre lui, mais il parle pas français, enfin. Bon, ID. Putain, mais on a John Civy, hein. Robe bleue, mini short marron. Ah mais lui il bug. Ah. Bug de ouf lui. Eh ben l'assurance. Ah c'est j'ai même pas de check, c'est boom là. C'est infraction, voiture. C'est où l'assurance? Défaut d'assurance. Ah, allez boum. Et bam. Timer pour Ivy. Oh, il y a un timer pour Ivy. Oh, qu'est-ce que je fais? Oh, bah... Attends, faut que je le laisse partir. Il semble vraiment triste. Ok, je le laisse partir. Je fais un constat. Attends, faut un constat en fait. Vas-y, lui il est parti. Toi. Bon, toi, prends ton. Voilà, hop, rapport d'accident. Oui, bon, c'est la vie. Je suis sur une autre enquête. Hein. T'as de la chance déjà. Putain, je prends une photo. Merde, j'ai pas fait de photo. Putain, le timing commence. Timer commence à être chaud. Hein. Attends, vite, vite fait, pardon. Non, ça compte pas là? Non? C'est mort? Ah oui, là. Parfait, ça. Ah, j'adore! Ah, super, on l'a là! Oh, magnifique cette photo. Bon, toi, Fredo, qu'est-ce que je peux te faire d'autre? J'ai fouillé, je vais mettre un coup dans le coffre, on sait jamais. Ah, il nous faut un tout petit peu plus pour pouvoir finir. Ça, il nous manque juste pour pouvoir terminer là. C'est le clignotant. Oh, petit talon, on se refuse rien, monsieur. Hein. Menote-le, bah je peux pas le menoter, je crois, parce que. Y a pas besoin, enfin, tu vois, c'est juste le clignot, quoi. Mais il faut que je finisse la barre pour pouvoir. Bon, sinon, j'appelle la dépanneuse et on n'en parle plus. Hein. Allez, hop là. Hop. Hop. Toi, tu rentres. Bon, toi, pars. Vas-y, allez, c'est bon. C'est fini. On est sur une autre affaire. Allez, on y va, les gars. Elle sera là dans un instant. Parfait. Voiture de patrouille. Alors, vous avez une voiture de patrouille. Il faut respecter la limitation de vitesse. Les panneaux de sirène. Votre gyrophare. Oh, gyrophare. Tu dis votre sirène avec prudence pour alerter les usagers. Ah, mais c'est où les. Putain, je suis du mauvais côté. Oh, ça c'est vraiment terrible, ça ils auraient pu anticiper. Tu le passes le levier de vitesse, bordel. Putain, on a quelqu'un d'armé là. Alors clignotant droit. Madame, 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 madame. Ok, je coupe. Je suis arrivé dans le secteur. Accident, plus 73, moins 15. C'est elle. Putain, c'est elle. Main en l'air. C'est elle. Elle est exactement la même. C'est elle. Je vais shooter. Comment je fais? Elle a les mains derrière. Non. Putain. Putain. Ou alors c'est elle et elle a changé d'habit. Putain, elle est forte. Ah putain, c'est un autre niveau. Ah, c'est une enquête. Ah, elle est fortiche. Putain, c'est un coup. C'est des jumelles. C'est le braquage. Ah, si je tire, forcément, il y aura une bavure judiciaire parce que... Oh. Allez, hop là, au sol. Allez, là. On résiste? Oh non, pardon. Alors, madame. Bon, direct, là, ça menote. Ça menote. C'est quoi, le truc? Armée, oui. Trouver l'individu recherché. Lieu du délit, j'en sais rien. Je sais pas, elle est recherchée, moi. Mandat d'arrêt. Elle a un mandat d'arrêt ou elle est juste recherchée? Arme, non mais tu. Elle peut avoir. Elle peut. Bon, je te fouille. Ça peut être autorisé. C'est pas elle. Ah oui, j'aurais dû regarder si c'est John Civy. Elle a pas de mini short marron. Oh putain, y'a un accident juste derrière. C'est toi, John Civy? Parce qu'elle a un couteau et un. J'aurais dû la menotter. Elle va me tuer. Non. C'est Jones? Madame Jones? C'est elle. Elle a pas de truc de port d'arme. Oh bah elle est morte. C'est fini là. Ah bah là c'est menotté là. Port d'arme illégal. Non mais monsieur, je suis en pleine arrest. Non mais le mec. Le gars imposant quoi. Ouais, oui, bah madame. Bon, qui a fait l'accident derrière? Oh les cons là-bas. Putain, il y a eu un délit de fuite. Oh, je vois un délit de fuite de là. Bon, bah toi, j'appelle les transports. Hein. Oh bah l'autre, attends, putain, là, ça va, ils sont tranquilles les criminels ici. Hein. Oh l'autre, elle attendait au feu, elle attendait sa bouffe, la meuf. Hein. Bon, il se passe quoi, les ploucos, ici, là, encore? Qu'est-ce qui se... Oh là 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 là, ça s'est embouti, ça. Hein. Bon, c'est quoi ta version des faits, toi?
Bon, ce bug devient chiant. C'est peu d'informations quand même. Bon, on va prendre la pièce d'identité tout de suite comme ça. Bon, on va le faire après finalement. Ah chier la photo. Ah ouais, c'est pour l'assurance ça. Oh j'adore. Ah oh, c'est magnifique ça. Ça c'est magnifique hein. Au sol. Oh c'est magnifique là. C'est quoi ça? Ça c'est la plaque qui est tombée. C'est magnifique la photo qu'on a fait. Je peux en faire d'autres? Là? J'ai déjà fait je crois. Là, des traces de pneus, bien sûr. Oh non mais alors ça, putain, ça c'est une enquête, mon pote, elle est réglée là. Oh là là, l'impact de balle. Non mais attends, mais je suis... Mais je suis un expert assurance là. Qu'est-ce qu'on a d'autre là? Impact de balle, ça s'est déjà été pris. Ici, on l'avait pas pris en photo. Là, sur le côté... Ouh, j'ai l'impression que derrière, il y a quelque chose. Eh oui, tout à fait. Tout à fait, monsieur. Bon, je me remets encore de l'accident, j'ai la tête vide. Mais okay, bah, c'est peut-être le souci. Hein. Ça fait partie du problème, monsieur. Hein, ça, je vais vous le dire. Bon, alors, alcoolémie, on en est où, là? On en est où? On est... Il est midi. Hein. Midi 7, les gars. Mollo sur la tease. 001, très bien. Par contre, qu'est-ce qu'on s'est pris, là? Toi, tu m'as l'air justement un peu sous le choc. Peut-être que va savoir, t'as rien pris. Hein. C'est très bizarre, ce test. Hein, de THC, en fait, amphétamine. Le procès verbal est suffisant. Je vais pousser un peu plus loin l'enquête, moi. ID and if available, proof of insurance, please. Non? Oh, j'ai cru qu'on avait un refus d'obtempérer. On n'a jamais eu ça encore. Hein. Bah, ah si, j'ai cru qu'il n'y avait pas le papier d'assurance. Alors, il a le droit d'avoir un port d'armes. 25 août, il est bien encore. C'est Jackson Hayden. C'est Hayden Gayden. 12-08-86. Il est clean, le man. 22, l'expiration. C'est un van. 9WY. Ok, ça me semble clean. Ça me semble clean. Mais du coup, qui a fait la faute, là? 9W, c'est magnifique. Bah... Et ça plaque à lui, en fait. Putain, c'est arnaque. Ah non. 8BP. 8BP. Toi, t'as des trucs, toi, ou pas, toi? Parce que comment on fait, sinon? Fouille les coffres. Ouais, on va essayer de les arrêter pour quelque chose, hein. Ah, lui, il nous répond jamais. Lui, il nous emmerde. C'est la folie, ce jeu. Putain, j'ai déjà oublié le... Isaac Parker, il est né en 90, 20-09, 8BP, ok on est bon. T'as pas fait les dépistages, je l'ai pas dépisté lui? Ah non on l'a pas dépisté. Ah l'autre il s'est barré? Ah mais ils ont rien, hein. Juste c'est accident de la route quoi. Là je pense qu'on en fait trop, on aurait dû aller plus vite nous. On va peut-être fouiller un peu. 9-05, on est le 8-05. Ah, je l'avais vu. Ah, on va sous la drogue. THC. Aïe, aïe, aïe. Coup dur, je vais devoir fouiller. Mais là, déjà, on n'est pas bien parti, mon pote. Là, ça va fouiller, on n'est pas bien. Ah là, c'est le début des emmerdes pour toi. Ah là là, ce bout de plastique, bout d'allumette. Putain, qu'est-ce que tu nous fais, Fred? Qu'est-ce que tu me fais ici, là? Ah non, ça, c'est... Ah, je peux pas laisser passer ce couteau, deux couteaux à cran d'arrêt, mais mec, mais ça fait beaucoup là, peut-être, hein. Tes conneries, là. I have to arrest you for carrying a switchblade. Please move on to the sidewalk. Non, parce que pour me noter, il faut trouver quelque chose, genre. Ah, s'il vous plaît, quoi? Deux couteaux! Un couteau, déjà. Tu fous quoi avec un couteau? Mais alors, deux couteaux. Le couteau, t'es dans un film, quoi. T'es en Nunchaku, quoi. Qu'est-ce qui se passe? Tu fous quoi, déjà, avec un couteau, merde. Oh là là là, mais il fait des dingues, lui! Arme de poing, couteau à cran d'arrêt, mais le mec c'est la mafia là. Ah c'est bon, j'ai tout fouillé du coup en fouillant ça. Non, à droite on n'a pas fouillé. Le procès verbal. Ah bah lui je l'arrête direct lui. Lui il prend perpète là. Faites me noter, j'ai l'impression que ça te... Et un canif en plus. Mais attends, le gars il branle quoi de ses journées le mec? Bon toi je fouille un coup parce que juste pour être sûr mais... Rédiger un procès verbal, non, mais on va le faire ici. Arme de poing! Non, mais il a le droit d'avoir une arme, lui. Il a un port d'arme. Je t'ai fouillé ou pas? Bon, je te fouille pas. Ah non, mais. Non, mais l'autre. Ça va, là, ils allaient faire une connerie, les deux. Chewing-gum raisin. Non, on l'aime bien, lui. Lui, il est choqué, il sait pas trop ce qui se passe. Bon. Qu'est-ce que je fais, moi? Bon, allez, je laisse partir, lui. Oh, je te fouille un coup. Ah, oh, je te fouille un coup pour le plaisir. Allez, tranquillement. Juste pour être sûr, t'as rien du tout, voilà, t'as des clés, toi t'es un bon gars, pardon, excuse-moi, vas-y, je te donne le procès verbal.
Y a pas de souci, c'est mon plaisir. Hop. Lui, il est bon. Pas de course poursuite, bah peut-être après. Hein. Allez, voiture à remorquer. Voiture à remorquer. Et là. Boum. Hop là. Et là, on a été efficace. Hein. On reprend la caisse. Le coffre, on a déjà fait. On a déjà fait. Là, on est bon là. Là, on a été très bon hein, sur ce coup. Hein. Allez, je reprends la caisse. Allez, on est reparti là. Putain, jauger la vitesse. Vous pouvez jauger la vitesse des autres voitures en roulant derrière elles. De cette façon, vous pouvez déterminer à quelle vitesse une voiture roule et identifier les excès de vitesse potentiels. Oh ! Mais quelle vie de fouine ! C'est magnifique. Mettre ton clignot et tout. Hop, je me gare. Ah non, mais ça, c'est les flics. Lui, je le prends en chasse, lui. Lui, je le prends en chasse. Je jauge la vitesse. Ah, c'est l'accident. J'ai encore fait moins 15 CP. Ah, tu peux jauger comme ça. J'ai mis mon clignot peut-être un peu tard. Je l'enlève. Qu'est-ce que je fais? Je sais pas ce que je fais. Je vais prendre en chasse le mec de gauche, il a une grosse voiture. Je vais me ranger derrière lui. Voilà. La filature commence. On est bien là. Oh putain! Oh là là! Oh, oh putain, je suis pas dans ma zone, il le sait le bâtard. Je dois y retourner. Il a pas utilisé son clignotant lui. Arrêtez tout. Je dois y retourner avant d'être... Stop police! C'est un stop police que je vous mets à tous les deux là. Stop police à vous. Le conducteur n'a pas pu me voir. Stop police! Putain, mais vas-y, je peux pas... Je peux pas, je suis pas dans mon tiex là. Putain... Ah, ils m'ont eu. Hein. Je peux rien faire, putain, mais on a une vie de merde. Hein. Ah non, mais là, je... Comment je... Bah, descendez, s'il vous plaît. Cette fonctionnalité sera mise à jour. Comment je fais? Monsieur, je vous mets un stop police là. La conductrice a signalé qu'elle cherchait une place pour se garer. Monsieur, j'ai très bien vu ce que vous faites. Ça ne passera pas aujourd'hui. Ouais, plaque périmée là, mais le mec est... Je comprends pas pourquoi on galère à ce point là. Sors de ta caisse, putain! Comment je le fais descendre? Descends. Putain, je le braque. Descends! Il cherche une place pour se garer, c'est pas une excuse. Et ça, c'est quoi, ça, madame? Non, mais là, ils cherchent tous des places pour se garer. Putain, ils m'ont... J'ai aucun pouvoir, encore. Je leur mets des stop police, c'est nul, les stop police. Putain, on s'en va. On s'en va, on a aucun contrôle, je suis pas dans ma zone, là. Tire dans les pneus. Je m'en vais. Allez, hop là, tiens, boum. Enfin, je vois les assurances, c'est pas ma zone. Quelqu'un d'autre qui s'occupera de toi. Qu'est-ce qui s'est passé encore ici, là? Encore un accident? Mais bordel, vous savez pas conduire. Hein. Qui, là? Bon, ça m'emmerde, cet accident. Je me casse. Allez, quelqu'un d'autre. Bon, je vais jauger lui, là. Qu'est-ce qu'il fait, le con? Qu'est-ce qu'il fait, là? Ah, c'est vrai que je suis en gyro. Tu fous quoi, là? Ah, y'a panique, là. Trouve... Oh... Oh... Putain... Oh, mais... Bon, mais attendez, là! Non, mais c'est... Mais c'est plus que stop police, là! Mais c'est n'importe quoi! Mais j'ai tout vu, mon pote! T'es mort! Mais t'es mort, là! C'est un délit de fuite, qu'est-ce que tu me dis, toi? Toi, t'es fou, toi, c'est 5 ans. Toi, je te le dis tout de suite, là. Toi, tu vas prendre très très cher. Mais comment ça? Mais t'as grillé un feu, en plus. Il a grillé un feu? Il a percuté quelqu'un en grillant le feu? Il a failli avoir un risque mortel? Sympa, le plan. M'en demandez pas tant. Je fouille la caisse. Mais on va rien trouver, c'est juste un mec qui...
On va rien retrouver, je pense. Ah, le mec, il a explosé des rétros. La pauvre petite bonne femme derrière, là, qui a rien pu faire. Il a grillé un feu. Hein. Test drogue. Oh, mais attends, on a vu passer la voiture si vite. Aucun objet trouvé, putain, peut-être dans le coffre. Oh. Dans le coffre, y'a rien non plus. Lettres. Ils ont merde avec leurs lettres. Bon, c'est quoi tes. Déjà, c'est quoi ta plaque, toi, man? T'as pas de plaque. Déjà, ce mec, t'es. T'as pas de plaque, déjà! Qu'est-ce qui se passe? Tu me fais quoi? T'es drogué ou pas? Est-ce que t'es drogué? T'es sous en fait? Non, il a l'air calme. C'est vrai qu'il y a des photos à prendre. Ah non, il est clean, il est tranquille, le gars. Juste, c'est excès de vitesse. Je vais demander une pièce d'identité. Il a pas de plaque, donc. Pas de plaque! Photo et emballe ça vite fait. Ouais, je pense, hein. Ouais, bah attends, je suis sur un gros coup, là. Jackson Cook. Jackson Cook, 20-10-86, 18-06, t'as de la chance, hein. 10-12, bon, je lui mets une contravention. Conduite, excès de vitesse, non-respect du feu rouge. Oh, il va prendre pour tout. 200 balles. Hop, tu dis que c'est cher? Oui, bah c'est le début, frère. Hop, ils sont vraiment en colère. Bah tiens, régale-toi. T'es prêt ou pas? Déjà, il a pas de plaque, mais bon. Conduite, excès de vitesse. Hop, je reprends 150 balles là-dessus. Hop là, tu payes en cash. Voilà. Ah bah, on peut continuer, hein. Moi, il n'y a aucun souci. Hein. Et je fais rien de plus. Et je fais 2-3 photos et hop, on libère. Hop, parfait. Hop, magnifique, là, le côté. Hop, l'avant de la caisse. Hop, là, au sol. Au sol. Et oui, le rétro. Et oui, la pauvre dame, elle n'a rien demandé à personne. Hein. Pas besoin de mettre les mains derrière la tête, madame. Vous êtes en aucun cas fautive, ici. Hein. Y a un malade mental, c'est tout. Hein. Ok, c'est bon. On a d'autres photos à faire, là? Ah, une petite photo de plus, là. Bon, ma petite dame. Toi, t'as fait... Ouais, c'est bon, je suis d'accord. Bon, je lui ai tout mis, t'inquiète. T'inquiète, ma petite gueule. Hop, tiens, je te donne le procès verbal, comme ça, t'es tranquille, toi. Bon, m'emmerde pas non plus, quand même, hein. Bien gentil, mais... interagir. Hop, ça va à la dépanneuse. Ça va à la dépanneuse aussi. Et lui, qu'est-ce que je le... Bon, oh, lieu du délit, non, lui, il a rien fait de pire. Bon, allez, c'est bon, vas-y, casse-toi. Allez, casse-toi. Hop, ça pourrait à tout moment déclencher. Oh, comme ça, gratos. Un petit 27. Comme ça, gratos, un petit 27 à nouveau. Et là, de l'autre côté, je te mets un 40. Hop, le 35. Ah merde, de ce côté, c'est moins cher. Enfin non, c'est limité à 50 ici. Oh, c'est limité à 40, putain, j'ai fait une killing. Ah merde. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Oh, on l'avait jamais vu en action. Bon, qu'est-ce qu'on fait ici, là? Oh là là, on n'en peut plus des accidents, les gars. Moi, prochain accident, je pète un truc, hein. Qu'est-ce que tu fous, toi, là? Les gens ne savent pas conduire. Hein. Qu'est-ce qu'on fait? On a fini notre journée, nous, on se casse, non? Moi, je veux des braquages à main armée, là. Oh! Pardon. Ok. Excusez-moi, c'était un exercice! On est reparti. Tout va bien. Tout va bien. 38-15. Ok, tout va bien. On a testé le frein à main. On est là pour tester les différentes fonctionnalités aussi de la voiture. Le feu rouge. Tout va bien. Eh ben, on est presque arrivé, hein. On parle, mais... Regarde, jauge la vitesse là derrière. Regarde ça.
putain, ils sont bons, ils sont bons. Peut-être lui, là. Ah, c'est rouge. Peut-être lui, là-bas, là. Ah, mais jauger la vitesse, c'est pas si kiffant. Hein. C'est plus chiant qu'autre chose. Hein. C'est un peu chiant à faire. Hein. Je suis pas fan. Alors que le flash... Non, j'ai fait de la merde. On va où, nous? On rentre à la maison, là. C'est où, la maison? Alors, on va à la maison. Ils te disent pas où t'es, hein. Ça, c'est terrible, ça. Ça, c'est vrai que c'est dommage. Ça, c'est dommage. Non, mais c'est en haut, de toute façon, j'imagine. Voilà, c'est dans 90 mètres, là, non? Ah, sens unique. Petite surprise. Hop. Il y a un moment, on peut tourner à gauche ou pas? Juste que je sache, quoi. Voilà, là, on peut tourner à gauche, là. Parfait. Oh, le passage, alors qu'elle avait pas le droit. Ça, c'est quand même... C'est pas loin du blâme, ça. Hein. Non, mais là, j'ai plus le droit d'être ici, moi. Ah bah, monsieur! Ah bah, là, on se sent con, là! Ah, c'est dommage! Ah bah là, clairement, ça va faire un constat, monsieur! Ah bah, qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Vous m'avez pas vu? Pourtant, j'ai le gyro, je suis en intervention, monsieur! Je donne ma vie pour pouvoir protéger celle des autres, monsieur! Oui, je vous prends en photo, monsieur, après ce que vous avez fait! Oh là là, j'ai la caisse qui est niquée, putain! Je suis abattu. Je suis abattu, là. Là, je suis abattu. Je veux qu'on rentre à la maison. Ordinateur de police. Ah, on est là. Pas si simple, hein, d'aller à l'endroit qu'on veut. Hein. Ah, monsieur, vos distances. Non, on peut tuer des gens, genre. Ce serait pas ouf, quand même. Bon. Alors, arrêtons les conneries, là. On se rapproche ou pas, là? On a un itinéraire, en fait. C'est magnifique. C'est magnifique, on peut suivre un itinéraire. Le jeu est vraiment sympa, hein. Le jeu est quand même très cool, hein. Bon, à deux doigts de mettre... Je suis à deux doigts de... De foutre le gyro et... Excusez-moi, madame. Je vous coupe la prio, je suis en intervention. Je suis en inter... Tout va bien. Je suis en intervention, de toute façon. Hein. Ah, mais c'est là, le... Intervention! Hop là, pour les collègues. Parfait. Magnifique. Eh bé, grosse journée, hein. On l'a pas vu passer, celle-là. Wouh ! Drenek, merci pour le Prime, merci pour tous les resubs aussi, j'ai pas revu encore une fois. Pff, elle est pas mal, hein. Attends, on a moins 65 CP, hein. Points de conduite, les points de patrouille sont géniaux, mais nos points de conduite, on n'est pas ouf. Hein. Là, pour le coup, bon, j'ai rien eu en plus, là. On se fait une petite dernière journée, ça vous va? En fait, parce qu'on n'a pas fait le panneau de police, et on n'a pas eu trop les historiques de patrouille et tout, là. Scène de crime, putain, niveau 5. Niveau 5, il y a des scènes de crime. Hein. On va en bas. Faut pas que tu conduises. Non, mais en fait, il nous faudrait un coéquipier qui conduit. C'est quand que j'ai un coéquipier? Je veux un ami. Je veux un ami avec qui patrouiller, ça a l'air d'être le feu. Putain, c'est là, non? Non, j'ai réussi à me reperdre. C'est pas clair, putain. C'est là. C'est bon. Ah, ils m'ont enlevé à la caisse. Ah ben... Ah mais non, mais j'ai plus de caisse. Ah, j'ai plus de caisse. Ah bah ouais, comme je l'avais garé à l'autre endroit... Y a pas de voiture dans l'historique d'Anton.
Bah si. J'y étais juste avant. C'est limité à combien? 35, putain, c'était devant moi. Ah, je suis sorti de l'autre côté tout à l'heure. Ok, on va récupérer la caisse. J'y vais de ce pas. Bon. Signaler que cette vitesse... En fait, ça, c'est les trucs en haut à gauche qui te font des bonus. Mais je pense, de temps en temps, il y a des tapes et tout. Ah, c'est genre encore l'autre côté? J'ai l'impression de me faire avoir. Hein. Là, je... Je ne comprends plus, là. Non, non, il n'y a plus de... Non, c'était juste pas le même comico, en fait. Genre l'autre sortie, quoi. Oui, non, mais... Ça, c'est ça où on était... Genre, pardon... Non, mais c'est pas le même comico, en fait. Putain, c'est pas ça. Faut carjacker, là. Non, on n'a pas le droit, nous. Ouais, mais en même temps, si on doit se... Non, j'ai tasé quelqu'un et j'avais le droit de le faire. Non, non, c'est pas là non plus. Non, non, il faudrait... idéalement... Ah, mais j'étais là, en fait, moi, non? Je crois que j'étais là. En fait, j'ai déposé la caisse, là. Ah bah là, on va se faire chier. Hein. Ah, je vous le dis, comme ça, il n'y a pas de surprise, quoi. Ouais, comme ça, on est tous... T'as choisi la mission à pied. Ah bah là... Ça, on l'avait déjà fait, ça. Ah, retour aux sources, hein. Tu peux voler une voiture, mais zéro. C'est pas GTA. Par contre... Oh, illisible la plaque d'immatriculation, parce qu'on était pas mal. Hein. Enfin, emprunter une voiture. Bah non, je peux pas sortir. Je peux pas lui dire « Police, please, descendez. » Bon, il y aura pas de point de conduite. Ah ouais, non mais là, nous, on voulait un grave accident. Oh, bah, il y a un accident, justement. Oh, il y a encore un mort, bordel. Mais il est mort, là, lui, là. Ah, lui, il est en vrac, là. Ah, lui, tu vas voir qu'il va encore parler normalement. Ah, je dois gérer un accrochage. Ah, c'est là, l'accrochage. Je l'ai déjà. Oh, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que vous avez fait, monsieur? Vous avez tué quelqu'un? J'ai peut-être mal conduit, je suis désolé. Oh là là, le gars est pas à l'aise déjà en défense. Hein. Il tremble, il est un peu speed. Il est def lui, non? Peut-être un peu def. Hein. Bon, sous alcool. Ça commence mal, monsieur. On va vérifier. C'est à 300 mètres l'accrochage, c'est au point rouge. Il y a deux accrochages, ok. Bon, lui, je le torche vite, lui. On va le fouiller. Lui, on le fait vite et on va vite à l'accrochage. Serviette de table, portefeuille. On va pas le... Je suis con, je viens de le faire, ça. Je crois que ça m'avait inversé. C'est fouillé qu'il faut qu'on fasse. Clé, yo-yo, serviette de table, portefeuille. Est-ce que t'as un truc d'assurance? Non mais là, de toute façon, c'est déjà fini pour toi. Hein. Allez. Oh putain, l'enfer, le bruit. Non mais le jeu est vachement bien, juste ils ont 2-3 trucs de finition où ils sont un peu en galère. Date de naissance 95. Je suis pas sûr. Hein. Oh là là, c'est expiré. Il est expiré, son assurance. Assurance expirée. Fouille. Gardez vos... Vous avez maintenant le droit de fouiller ainsi que sa voiture. She looks nervous. J'ai pas ça, moi. Oh, mais là, c'est terminé, là. Déjà, voiture. Défaut d'assurance. Contravention. Oh, la sirène, c'est vrai que ça... Ça donne envie de tout arrêter, la sirène, putain! Oh! Je le menote. Narcotique. Ébriété. Ah, ça m'emmerde, cette affaire-là. Il y a un gars qui est mort et... Ah, si, si, c'est la tôle, là, pour toi. Là, c'est la tôle et je peux te dire que... Voilà. Ah, mais c'est moi qui bloquais, en fait. Ah, c'est moi qui gênais depuis le début. Bon, lui, il a vu quelque chose, lui.
Bah ouais mec, t'es mort hein. Là je pense que merci. Je pense que lui il est mort hein. Dépanneuse. Et toi allez transport. Allez allez go 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 là. Allez 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 monsieur. Bon l'autre il parle hein. Tout le monde parle en fait hein. Y'a personne, j'ai... Bon le mec il se lève carrément. Le gars il était retourné. À 300 mètres y'a un accrochage. Bon pas ouf, on va prendre des points de pénalité hein. Y'a toujours les mêmes persos. Bah en fait le truc c'est que c'est les quelques Ah j'ai pris 101 SP hein. Y'a jamais de mec qui se barre en courant. Ça aurait été bien d'avoir des situations un peu différentes. Attendez pardon, excusez-moi juste. Hop là voilà, moins 5 parce que c'était limité à 50. C'est pour moi. Le bouffon. Honnêtement, je trouve ça pas mal parce que je trouve que c'est évolutif. Dans le sens où, tu vois, on n'a pas eu le droit à tout d'un coup, à tous les plaisirs. Oh là là, excusez-moi, là, je vais me permettre de mettre... Lui, on va le régaler. Ça fait longtemps, ça fait toujours du bien. Hop, on se met une double... On se met une double contravention. Boum, boum, boum. Boum. Non mais du coup ouais, le jeu est pas fini sur 2-3 trucs ça se sent. Mais en tout cas déjà je trouve que moi souvent en fait je me lasse des jeux parce que soit t'as le droit à tout d'un coup et du coup tu te fais vite chier. Là c'est évolutif tu vois. Donc c'est assez cool mais après après moi j'ai... Bah, oh là là il y a un accident. C'est ça l'accrochage là? Oh bah qu'est-ce qui se passe? Tu as des lits de fuite là? Oh y'a y'a mais qu'est-ce que c'est que cette merde encore? Alors on commence bien là. Elle veut pas sortir l'autre. Mais du coup parfois en fait tu vois les jeux genre tu les kiffes et ensuite elle a pas vu ce qui s'était passé. Et en fait bah comme tu fais toujours la même chose au bout d'un moment c'est un peu lassant. Là tu vois on n'y est pas encore par exemple. Mais c'est vrai que c'était cool de voir des trucs un peu différents tu vois. C'est à dire des nouveaux trucs d'arrestation. Des genre des réactions différentes et tout quoi. Madame. Tu vois là elle va pas sortir là. Là, toi, t'as vu quelque chose, toi. Tu vois, là, en fait, parfois, moi, ce que j'aime pas dans les jeux, c'est quand tu identifies un pattern et que, du coup, tu le fais en boucle, le pattern. Bah là, en vrai, si personne n'a rien vu de plus... Et elle est là... Genre là, elle va pas sortir, elle. Bah, je vais lui sortir mon... Stop, police. Ouh, stop police. Le conducteur n'a pas pu me voir. Ouh. Oh mais là c'est terrible là. Rédiger le procès verbal, mais comme personne n'a vu ce qui s'est passé. Tu vois, et soit il y a eu des lits de fuite, soit peut-être elle a vu. On l'a déjà demandé. Personne n'a vu en fait. Toi t'as pas vu au loin? Personne n'a vu. Madame. Oh ouais mais là ça donne envie de faire des conneries là. Ah, je sais pas quoi dire là mais je peux même pas appeler la dépanneuse, je peux rien faire. Et il y a 2-3 petits bugs, mais les bugs sont légers quand même. Hein. Là c'est quand même Non mais là tu vois je pense que ça a bugué en fait. Je pense que juste... Et du coup, je pense que ce truc d'enquête, en fait, il est un peu... C'est un peu souvent la même chose et du coup, tu tournes un peu. Mais en tout cas, l'idée est vraiment bien, tu vois. Genre là, honnêtement, on a joué 2 heures et quelques et je trouve le concept génial, tu vois. Donc, je pense qu'il y a grave à faire avec le jeu, tu vois. Ah, mais en fait, elle est carrément buggée ou je peux même lui tirer dessus, il se passera rien. Voilà. Bon, du coup, le taser, ça marchait pas, ça, si. Bon, il y a un mode coop qui arrive, c'est peut-être marrant, ça. Technique de je te vois pas. Bon, tout buguait, sauf procès verbal. Non, mais en fait, tu pouvais pas interagir avec. Souvent, tu peux tout faire, sauf, imagine, la team pack sans patrouille. Mais ça, je pense que ça peut être archi lourd de jouer à deux, tu vois. De jouer à deux, je pense que ça peut être marrant.
Juste ce qu'il faut, c'est plein de petits trucs différents. Et là, honnêtement, on en voyait. Hein. Là, on voyait qu'au niveau d'après, parce qu'après, j'ai fait de la merde aussi, hein, tu vois. Mais au niveau d'après, t'avais le droit justement d'avoir des scènes de crime. Donc, t'intervenais sur des scènes de crime. Donc, je pense que, tu vois, c'était pas juste faire un rapport, tout comme le truc de stationnement. Au bout d'un moment, on a passé la suite, tu vois. Mais je pense avec Xav, ça peut être cool. Wankil, il joue à deux. Après, Wankil, il joue à tout à deux, tu sais. Mais souvent sur un seul PC. Mais je crois qu'il y a un truc coop ou autre. Donc. Donc ça peut être bien. C'était quoi le truc avec Diniz à 22h30, j'ai pas compris. On ne reverra plus jamais ce jeu, dit le PA. Bah, si, parce que c'était drôle. Enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé. Mais juste un peu redondant à la fin, parce qu'au bout d'un moment, bah, on fait souvent la même chose. Mais, tu vois, c'était cool de quand même devoir faire full stationnement pour pouvoir aller à la suite, pour pouvoir avoir le pistolet, qui ensuite t'amène dans la voiture, tu vois, genre... Mais ensuite, ce qui est cool, c'est si t'as une course-poursuite, si t'as ce genre de truc, tu vois. C'est vrai que si tu dois juste rester vraiment à 40 km/h et juste suivre des voitures, parce qu'il y a un peu le quotidien de... Wanky, il a joué à Patrol Duty qui est en coop. Putain, mais Laurent, la bosse, elle a toutes les infos. Mais voilà, ça, après, ça reste une alpha. C'est vrai que le jeu est sorti quand même il y a un an et quelques. Donc quand même. Mais moi, j'ai vraiment kiffé. J'ai vraiment bien, bien kiffé. J'ai trouvé quand même ça très sympa et c'était ce que j'espérais. J'avais peur que... Non, j'avais pas peur parce que j'ai vu le concept du jeu et je me suis dit qu'on allait... Je me suis dit qu'on allait vraiment se marrer. Et c'est ce qui s'est passé. Dès qu'il y a un truc coop, on fera...